Alors les amis, on va se reprendre du pentest sur l'AD. Il y a de nouveaux modules qui sont sortis, je suis en train de vous les faire sur Try Acme. Donc, je vous redirige vers une vidéo que j'avais déjà fait où je vous apprenais les bases de l'Active Directory, comment il est utilisé dans le monde d'aujourd'hui, principalement en entreprise, vous le savez, même uniquement en entreprise, j'ai envie de dire. Donc les principes de base. Donc si on résume, l'Active Directory, c'est un service d'annuaire pour, on va dire, les réseaux de domaine Windows, d'accord? C'est utilisé dans les grosses entreprises et il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir l'attaquer, d'accord? Vous devez avoir des bases réseau, Windows, mise en réseau, PowerShell. C'est vraiment le mal nécessaire pour commencer à s'attaquer à de l'Active Directory. Mais c'est quoi l'Active Directory? On pourrait dire que c'est un ensemble de machines de serveurs qui sont connectées à l'intérieur de domaines, d'accord? Qui font partie collectivement d'une plus grande forêt de domaines, d'accord? Arbre, forêt, c'est important. C'est un concept à avoir et à parfaitement comprendre au niveau du réseau de l'Active Directory. Donc on a de nombreux éléments fonctionnels au sein de l'Active Directory. On a par exemple des contrôleurs de domaines qui contrôlent le contrôleur de domaine, c'est le cas de le dire, et le dieu dans l'entreprise, d'accord? Puisque toutes les machines qui sont rattachées au contrôleur de domaine, si tu as en tant que hacker un accès root sur le contrôleur, c'est open bar. D'accord ? Ensuite, je te dis, on a les forêts, les arbres, les domaines. D'accord ? On a les utilisateurs et les groupes. On a la partie fiduciaire. Hein, on a la partie trust. Hein, le trust system, ce principe de tiers de confiance. Hein, la fiducie. Et ensuite, on a toute la partie policies. Hein, policies, politique de sécurité. Et les domaines services. Hein, puisque au sein de l'Active Directory, vous allez avoir des services. Hein, les services vont rendre des services à d'autres utilisateurs. Vous l'avez compris. Donc, il faut comprendre ça. Hein. L'Active Directory physique, la forêt, les utilisateurs et groupes, il faut creuser. Je vous avais expliqué ça, les Trust Policies, l'authentification. Hein. On a également de l'Active Directory sur le cloud. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment les bases. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si ça ne vous parle pas du tout. Maintenant, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir une violation, c'est mal traduit, d'Active Directory. Hein, on va pénétrer. Ouais, c'est pareil, c'est connecté. Le français est très compliqué. On va faire du breaching, d'accord? Comme on dit, breaching Active Directory. Donc le but, c'est de couvrir toutes les techniques et les outils qui peuvent être utilisés pour acquérir les premiers, tout d'abord, premier, les informations d'identification d'Active Directory qui peuvent être utilisées pour énumérer l'Active Directory. Alors, l'AD, Active Directory, utilisé 90% des entreprises du classement Global Fortune 1000, d'accord? Les 1000 premières sociétés les plus cotées en bourse, les plus riches. Si le patrimoine d'une organisation utilise Microsoft Windows, vous êtes quasiment sûr de trouver de l'Active Directory au sein de cette entreprise, d'accord? C'est la suite dominante qui est utilisée pour gérer les réseaux de domaine Windows. Cependant, l'AD est utilisé pour la gestion des identités et des accès de l'ensemble du domaine. Il détient les clés du royaume, ce qui en fait une cible très probable pour les attaquants. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, comment on fait faire du breach au niveau d'Active Directory? Comment on peut commencer à pénétrer au sein de l'Active Directory? Généralement, on exploite des erreurs de configuration, d'accord, pour escalader nos privilèges, pour faire du déplacement latéral et d'exécution de nos objectifs. D'abord, il y a l'accès initial, toujours. Donc pour acquérir et avoir notre accès initial, généralement, il y a la phase de reconnaissance, d'accord, et de recueil d'informations. Il nous faut des informations d'identification Active Directory valide, d'accord. Donc en raison du nombre de services et de fonctionnalités au sein de l'Active Directory, la surface d'attaque permet d'obtenir un ensemble initial d'informations d'identification AD généralement importantes. Il y a beaucoup de pistes à creuser, d'accord. Donc encore une fois, ce qu'on vous apprend sur Try Acme, ce sont les bases. Hein. Après, je suis content qu'ils aient mis ces machines, puisque ça va être le laboratoire parfait
pour après tester d'autres outils que je vais vous montrer que nous on utilise en Red Teaming. D'accord? Là, je vous fais les cours. On verra, on continuera. Il y a toujours quelque chose à creuser. Vous le savez, de nouveaux outils. Et ça va être sympa, puisqu'on va pouvoir tester nos exploits. Donc quand on lance une attaque, en fait, on va se concentrer sur les autorisations associées à un compte. D'accord ? Même un compte à faible privilège, ça sera suffisant. Après, on va trouver une solution pour escalader nos privilèges. On cherche simplement un moyen de s'authentifier auprès de l'Active Directory, ce qui va nous permettre une énumération supplémentaire sur l'AD en lui-même. D'accord ? Donc, le but de cette vidéo, c'est de comprendre un peu les méthodes utilisées, qui sont naturellement non exhaustives, puisque tous les jours, il y a des méthodes, des techniques qui sont découvertes. D'accord ? Donc, c'est à vous de creuser après, faire votre popote. Hein, c'est ça qui fait la différence, je vous le dis toujours, entre un pentester de base et un vrai red teamer, hein, qui sera allé chercher, qui aura grappillé tous les blogs. Allez voir tous ces blogs hein, que vous avez à votre disposition. Vous savez que la plupart des gars qui bossent en cybersécurité ont leur propre blog, et vous avez plein de blogs qui vont vous apprendre des techniques assez foufou. Hein. Donc voilà, je vous mettrai quelques articles pour creuser. Toutefois, il faut couvrir les techniques suivantes, d'accord ? L'information de l'identification, donc on va avoir les services authentifiés NTLM avec le protocole. L'information d'identification de liaison LDAP. Les relais d'authentification boîte à outils de déploiement Microsoft. Et les fichiers de configuration, d'accord ? Donc on peut utiliser ces techniques lors d'une évaluation de sécurité d'un pentest en ciblant les systèmes d'une organisation qui sont connectés à Internet, d'accord ? Soit en implémentant un dispositif malveillant sur le réseau. Alors, on va se lancer la machine et on va venir attaquer. Donc voilà l'infra qu'on va attaquer. D'accord, c'est typiquement ce que vous retrouverez. Tout en haut, c'est celle qu'on veut venir. Notre gain d'accès initial. Et après, pivot. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il veut voir. Vous l'avez sous les yeux. On va aller péter le NTLM mat. Je vais essayer de pinger d'ailleurs ces réseaux. D'accord ? Pour bien comprendre. On va se faire un ping. On va voir si on arrive à résoudre. Hein, sinon, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du DNS. Hein? Try, hack, me. D'accord? Ok, il n'arrive pas à résoudre. Donc, est-ce qu'il arrive à résoudre ça? Ok, donc on arrive à taper les serveurs Amazon. D'accord? Elles répondent pas au ping, ce qui est normal, hein, par sécurité. Mais on voit qu'on arrive à taper l'ASN. Hein. C'est l'Autonomous System, hein, l'ASN. Donc, ok, l'infra doit être bonne. Donc on va commencer, on a deux méthodes populaires pour accéder au premier ensemble d'informations d'identification. Vous voyez en bas, qu'est-ce qu'on a ? On a un site. Un site qui fait du front-end, c'est-à-dire qui fait face à Internet. À partir de là, on a quoi ? Eh bien, il doit y avoir un pare-feu. Avec qui empêche en fait, hein, puisque là dans cette partie là, suivez ma souris, on a quoi ? On a deux autres machines, hein, peut-être des contrôleurs de domaine. On a THMD2IS et THMDC. D'accord ? De l'extérieur, je peux pas les pinger ces machines, d'accord ? Je ne peux pas y accéder. Il doit y avoir là à la fois une passerelle et un pare-feu. Ça, c'est la DMZ, c'est la zone non militarisée. Tout ça, c'est la zone militarisée. Pourquoi elle est militarisée ? Parce qu'il y a des systèmes de défense, il y a des pare-feux qui m'empêchent tout simplement de me balader sous ces réseaux, ces sous-réseaux. D'accord ? On voit que là, cette machine contrôle deux ordinateurs, cette autre machine contrôle deux autres ordinateurs. Donc nous, il faut qu'on se mette en situation. D'accord ? C'est ça qui est important à comprendre. Alors, on va revoir un petit peu les services authentifiés NTLM. Hein. Donc, NTLM New Technology Land Manager, c'est
une suite de protocoles de sécurité utilisés pour authentifier les identités des utilisateurs au sein de l'Active Directory. Il peut être utilisé pour l'authentification. On a un schéma basé sur le Challenge Response, donc réponse au défi, qu'on appelle NetNTLM. Ce mécanisme d'authentification est fortement utilisé par les services sur un réseau. Toutefois, les services qui utilisent NetNTLM peuvent également être exposés à Internet. Alors, on a les serveurs Exchange, courrier. Si vous êtes administrateur système Windows, je pense que vous êtes à l'aise avec ce concept. Ils vont être hébergés en interne et on a généralement un portail de connexion Outlook Web App qu'on appelle OWR. Donc, quand vous ferez des engagements, du red teaming, du pentest, il va falloir apprendre à attaquer hein, l'OWA. On peut faire des attaques de password spraying. On peut également se servir, comme la dernière faille, hein, Folina, pour attaquer les serveurs Exchange. Hein, les serveurs de messagerie sont toujours une cible de choix parce qu'on va pouvoir ensuite, une fois qu'ils ont été compromis, envoyer des mails de phishing dans l'entreprise en usurpant l'identité du PDG, hein, d'un chef de service, de la comptabilité. Hein. Je vous ai dit, jouer avec la peur des gens. Hein. Qu'est-ce qui motive les gens? Je vous ai dit dans le renseignement. Mice, ok? Money, idéologie, coercition, ego. Donc l'ego, c'est compliqué. Par contre, la coercition, ça marche super bien. Hein. Les deux puissants vecteurs de manipulation lors d'attaques de phishing, ça sera money et coercition. Argent et coercition. Argent, vous allez vous faire passer pour le service de paix. Ok? Vous allez dire, écoutez, on est en train de faire la clôture, là, on s'est rendu compte qu'il manquait 800 euros. D'accord? Sur votre paye, recontactez-nous. Hein, je vous donne un exemple très trivial. Où on n'a pas pu défrayer vos frais réels, contactez-nous. D'accord? Qu'est-ce que va faire la personne? Vous savez qu'on est tous intéressés par le fric. C'est comme ça. Certains plus que d'autres, même. Et c'est justement ces gens-là qui vont être le plus exposés, hein, puisqu'on va dire « Ah non, je veux avoir ma paye et tout », et on va répondre au mail, on va peut-être cliquer sur la pièce jointe, d'accord? Vous avez compris ce qu'il y a dans la pièce jointe. Ensuite, on a les services RDP, pareil, hein, ça va être des portes ouvertes, on va essayer d'attaquer le Remote Desktop Protocol, hein, qui permet de prendre le contrôle d'une machine, d'un serveur, d'un poste client via Internet, d'accord? Ou via le réseau interne. On a des points de terminaison VPN exposés hein, qui sont intégrés aussi à l'Active Directory. Dernièrement, les attaques sur les VPN, j'espère, vous ont ouvert les yeux. C'est typiquement les MOA, hein, les modes opératoires d'action d'attaque utilisés notamment par les services chinois. Applications web également hein, qui font du front-end, qui sont orientées vers Internet et qui utilisent NetNTLM et qui sont souvent sur une DMZ. D'accord ? Donc une zone non militarisée, ce qui fait qu'on aura plus de facilité à attaquer ce genre d'infrastructure puisque parfois il y a des pare-feux mais qui nous laissent un plein accès. Hein, le principe de la DMZ sur le routeur, la passerelle, le pare-feu, c'est qu'on expose. Hein, c'est ce qu'on appelle du front-end et généralement, bah, parfois les paquets ne sont pas filtrés. Donc le NetNTLM, on l'appelle authentification Windows hein, ou authentification NTLM. Ça permet à l'application de jouer le rôle d'intermédiaire entre le client et l'Active Directory. On a toujours ce modèle serveur, client, client, serveur. Tout le matériel d'authentification est transmis à un contrôleur de domaine. Okay. C'est la cible qu'il faudra tout le temps viser, le contrôleur de domaine, puisque un hacker va chercher à compromettre le contrôleur de domaine. Je vous le disais en préambule, qui contrôle le contrôleur de domaine, contrôle l'ensemble des arbres de la forêt qui sont rattachés au contrôleur de domaine. D'accord ? Donc c'est vraiment un challenge, c'est un défi et ça sera la dernière étape. Hein. Avant la post-exploitation, on va chercher à pivoter verticalement, latéralement. Latéralement d'abord, pivot latéral, ensuite pivot vertical, qu'on appelle escalade de privilèges, et ensuite post-exploitation, exfiltration des données, effacement des traces. Donc ça permet, via une application, d'authentifier l'utilisateur. Donc l'application, elle s'authentifie au nom de l'utilisateur. Hein, et ça ne l'authentifie pas directement sur l'application elle-même. Hein, ça empêche l'application de stocker des informations d'AD hein, qui ne doivent pas être
qui doivent être stockés pardon, que sur le contrôleur de domaine. Vous avez compris maintenant pourquoi le contrôleur de domaine est la cible. Donc, on voit hein, ce principe de challenge response. On a notre application user qui fait une requête au serveur. Ensuite, le serveur renvoie le challenge. L'utilisateur qui veut se connecter à l'application va renvoyer la réponse. Ensuite, le serveur redirige, d'accord, le challenge et la réponse au contrôleur de domaine qui analyse la requête. Il compare le challenge et la réponse pour l'authentification. Et si tout se passe bien, dernière étape 6, le serveur renvoie la réponse du contrôleur de domaine qui va permettre d'établir la connexion et l'utilisateur peut se connecter. D'accord ? Donc, on va faire une attaque de force brute. Hein, on a des services exposés qui fournissent un excellent emplacement pour tester les informations d'identification découvertes par d'autres moyens. Mais ces services peuvent être également utilisés directement pour tenter de récupérer un ensemble initial d'informations d'AD valides pour avoir notre gain d'accès. Donc, on pourrait peut-être essayer de les utiliser pour faire des attaques de force brute si nous récupérons des informations telles que des adresses email valides lors de la première phase de reconnaissance de l'équipe rouge. Alors, on va faire du password spraying. Pensez que si vous y allez comme des bourrins dans la vraie vie, vous allez bloquer les comptes. C'est pour ça que l'attaque de pulvérisation de mot de passe doit se faire en situation, dans une réelle opération, avec un peu de finesse, un peu de tact. D'accord ? Sinon, non seulement vous allez alerter la partie défensive qu'il y a une attaque de pulvérisation de mot de passe, et deux, vous risquez de bloquer les comptes, comptes qui sont utilisés soit par des services, soit par des utilisateurs. Alors, pour un compte machine, à la limite, mais un compte utilisateur, vous savez bien que l'utilisateur, derrière, si son mot de passe est verrouillé, il va se douter de quelque chose. Il va aller voir son service informatique, d'accord ? Il va dire « je suis bloqué sur l'AD, je peux me connecter. » Donc, il va chialer, il va aller voir sa direction. Vous avez compris. Les équipes techniques vont peut-être parler aux équipes bleues et dire bah, « Écoutez, regardez là, il n'y a pas des traces parce qu'il semblerait qu'on ait une tentative d'intrusion hein, via du password spraying, etc. etc. » Hein. Donc, vous devez toujours penser aux implications. Je vous ai dit, vous devez parfaitement avoir votre attaque en tête. On n'avance pas à tâtons. On a nos tactiques, nos techniques, nos procédures. Ça viendra avec l'expérience, mais vous devez acquérir ce sixième sens, je vous le dis, le situational awareness, hein, et comprendre toutes les interactions et les différentes étapes de la cyberattaque. D'accord ? Là, on est au début. Donc, on va faire cette attaque, c'est un exercice. On va essayer plusieurs mots de passe différents. Hein, et je vous le disais, ça peut déclencher le mécanisme de verrouillage de compte. D'accord ? Donc, si ça marche, on va choisir d'utiliser un mot de passe qui fonctionne. Et on va essayer de répéter, hein, c'est pour ça qu'on parle d'une attaque de pulvérisation. On va faire deux dictionnaires généralement. On va utiliser un dictionnaire d'utilisateur qu'on aura récupéré via des adresses mail typiquement et un dictionnaire de mots de passe. D'accord ? Et comme je vous le disais, pensez toujours que ça peut être détecté en raison du nombre de tentatives d'authentification infructueuses qu'il génère. D'accord ? Si l'AD est bien configuré, vous savez très bien que ça va créer quoi ? Ça va créer des events, des événements. Ces événements, on peut les voir sur quoi ? Eh bien, sur le gestionnaire d'événements. Hein ? L'observateur d'événements va générer hein, des événements avec un code qui sont significatifs, d'accord ? Pour une partie défensive, puisque ça sera des indicateurs de compromission. Alors, là, dans cet exercice, on a déjà une liste de noms d'utilisateurs. On part du principe qu'on a fait de la reconnaissance via du réseau, du renseignement d'origine source ouverte. Et on a le mot de passe d'intégration initiale dans l'organisation. Vous savez, quand vous arrivez, généralement, on vous donne un mot de passe hein, et on vous dit « change-le ». D'accord ? Généralement, même, on force au sein de l'Active Directory le renouvellement du mot de passe. Hein, c'est-à-dire qu'à la première connexion, l'utilisateur se connecte avec le mot de passe que les équipes techniques lui ont fourni et automatiquement, on lui force à changer le mot de passe. D'accord ? Et après, il faut mettre en place ce qu'on appelle une politique de séquestre des mots de passe pour qu'il y ait une rotation au niveau des mots de passe et on utilise
pas des mots de passe pendant des mois. D'accord ? Plus vous allez travailler pour des OIV, des opérateurs d'importance vitale pour notre pays, plus vous verrez que la politique de séquence des mots de passe est importante. D'accord ? Généralement, un mois déjà, c'est beaucoup. Dans les secteurs sensibles dans lesquels j'ai pu travailler, il y avait une rotation des mots de passe toutes les 3 semaines. D'accord ? Alors c'est contraignant, hein, on ne peut pas réutiliser ses anciens mots de passe, mais ça garantit le maximum de sécurité. D'accord ? Puisque si jamais on compromet votre mot de passe, eh ben, ça laissera que 3 semaines. Et vous savez que 3 semaines en cybersécurité pour un attaquant, c'est déjà beaucoup. D'accord ? Mais on ne peut pas demander toutes les semaines de changer les mots de passe, parce que la plupart des gens ne les retiennent pas, ils vont les noter, ils vont le mettre dans leur téléphone. Bref, ça entraîne d'autres effets de bord qui vont venir, au lieu de sécuriser l'infrastructure, l'entreprise, le système d'information, vont ajouter de nouvelles portes dérobées. D'accord ? Donc les utilisateurs doivent toujours changer leur mot de passe initial et parfois ils oublient. Hein, c'est pour ça que je vous dis, généralement, il y a une petite case à cocher où on force. Comme ça, bah, si l'utilisateur oublie, eh bah, il sera bloqué. Hein, généralement, il a besoin de faire sa prise de fonction au niveau de son poste dans l'entreprise. Donc oui, il va le changer. Là, on part du principe que Toto était un peu égaré et que les administrateurs système n'ont pas fait le boulot. Du coup, Toto tourne avec Change Me 1, 2, 3. D'accord ? Donc, on a un site qui nous demande des informations d'identification. En effet, quand je vais sur le site, voilà. Hein, this site is asking you to sign in. D'accord ? Donc, on voit le domaine, on a un sous-domaine, on a un host sous-domaine, on a le TID et on a le root. D'accord ? Là, username, password. Alors, on a le password, d'accord ? Par contre, je n'ai pas le username. Donc, on va se faire une liste de username, d'utilisateurs, et on va lancer l'attaque. Alors, on pourrait utiliser Hydra, mais on va utiliser un petit script Python. Ça va nous permettre de revoir les bases. Et je vais utiliser un petit snippet que nous a donné DHM. Python 3, Shibang en haut, importation de request. Request nous permet de faire des requêtes, hein, via du HTTP. On a un module particulier dans la librairie HTTP LM Auth, hein, authentification via le protocole HTTP ou NTLM. Hein. C'est request underscore NTLM. Donc tout ça, on en a besoin du sys et du get opt. Tout ça, c'est les modules, les librairies, les différentes librairies qui vont nous permettre de faire fonctionner notre programme. Ensuite, on a différentes classes. Hein, on a plusieurs fonctions. On voit qu'on a 3 fonctions, 4. On a notre main ici. D'accord, ok. Donc, grosso modo, on a une classe qui s'appelle NTLM Sprayer. Hein, c'est elle qui va s'occuper de faire l'attaque par pulvérisation. D'accord ? Donc, on a notre init. Self, ça permet de travailler sur une classe. Hein, et l'ensemble des objets qui sont contenus au sein de la classe. Le FQDN, c'est le Full Qualified Domain Name qu'on va utiliser, hein, puisqu'on travaille sur des domaines, des sous-domaines. Et on a 2 types de codes d'erreur qui nous intéressent. On a le fail, hein, le 401, et le 200 que vous connaissez tous, c'est OK, ça va passer. D'accord ? Donc ça nous permet de gérer les appels. Ensuite, le loyal user, pareil, user file, on a un dictionnaire, il faut pouvoir lire dans ce dictionnaire. On va faire une liste, un tableau, d'accord ? On va travailler et on va, pour pouvoir parcourir, il faut faire une boucle itérative. On fait une boucle for et on demande, via la fonction open, la lecture de notre dictionnaire, d'accord ? Ligne par ligne, d'accord ? C'est pour ça qu'on utilise le readline. Séquentiellement, on va parcourir toutes les lignes de notre dictionnaire, donc tous les noms d'utilisateurs qui sont contenus dans notre dictionnaire, et on va demander de faire une requête avec ces noms, d'accord ? Donc voilà, on fait un append, line replace, notre retour chariot, pour la mise en forme, d'accord ? Pour pas que ça bug. Ensuite, au niveau du password, d'accord ? Là, c'est les argv, ce qu'on va passer en paramètre, hein, ce que va passer en paramètre l'utilisateur, et on fait une requête. Donc on va utiliser nos variables, on va utiliser notre classe, et en effet, qu'est-ce qu'on veut ? Eh ben, il nous faut une URL,
l'authentification hein, qui va être passée en fonction du FQDN. On va récupérer l'utilisateur à partir du dictionnaire et on va ajouter, concaténer le password. D'accord ? Donc techniquement, qu'est-ce que ça fait ? Vous avez compris, automatiquement, ça va mettre un utilisateur du dictionnaire, tester le mot de passe, faire sign-in, voir le code d'erreur, d'accord ? Et puis, ça va nous dire succès ou pas. D'accord ? Donc c'est pareil, on incrémente un compteur, hein, on part de 0, comme toujours, et on va faire une boucle itérative, on lui passe plus 1. D'accord ? À chaque fois qu'on a testé et que le mot de passe fonctionne, on affiche à l'utilisateur la paire utilisateur mot de passe trouvé, mot de passe, enfin credential, valide, d'accord ? Et on affiche le nom d'utilisateur et le mot de passe qui a été trouvé, qui est fonctionnel. Sinon, vous l'avez compris, code d'erreur 401, hein, et on va mettre échec, hein, avec 7 utilisateurs, d'accord ? À la fin, vous l'avez compris, on affiche un message pour dire, ben voilà, l'attaque par pulvérisation est terminée. On fait un string count hein, pour compter quoi ? Pour compter le nombre de paires, le couple mot de passe utilisateur qui a été trouvé. Hein, ça va dire, par exemple, 13 comptes valides trouvés. Ensuite, on a notre main. Alors là, c'est au niveau des argv, hein, c'est ce que passe en paramètre l'utilisateur. C'est ce que moi, je vais taper. Quand je vais utiliser le programme Python, on a juste la mise en forme, d'accord ? Vu qu'on travaille sur quoi ? Bah sur des strings, d'accord ? L'attaque URL, c'est un string. Password, c'est une chaîne de caractères, c'est un string. FQDN, c'est un string, c'est une chaîne de caractères. UserFile, c'est une chaîne de caractères. Comme tout en Python, vous savez que si on travaille sur des chaînes, il nous faut au minimum des single quotes et des double quotes, d'accord ? Un des deux. Mais on préfère utiliser des simples quotes. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'en français, alors en anglais moins, mais en français, on se sert souvent, parfois déjà, du single quote. Donc il faudra jouer hein, sur soit le double, soit le single, pour pas avoir de problème de caractère non valide hein, au niveau du formatage du string. Donc on a notre try. Hein, notre try, il va attendre tout simplement ce qu'on va lui passer en paramètre. Et au cas où on se tromperait, le programme va nous dire « Hey, Coco, fais gaffe, je te demande un user file, un FQDN, un password et l'adresse d'attaque. Passe-moi tout ça. Tiens, je te rappelle la syntaxe et ça quitte. » D'accord ? Ça, c'est la logique. Ensuite, il nous rappelle, hein, encore une fois, les différents OPTS, hein, les options disponibles pour notre programme Python. On a nos switch, nos flags. Hein, et à chaque fois, bah, on travaille en effet hein, sur des string arg, string arg, string arg. Pourquoi ? Bah, parce qu'on a 4 hein, argv. D'accord ? Argv, tout ce que je vais passer en paramètre au programme. Il faut définir tout ça. Ensuite, on va boucler. Hein, on fait un length user. On vérifie quoi ? Eh ben, que tout est bien fonctionnel. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, il ne faut pas que un de ces 4 paramètres soit vide. D'accord ? Puisque pour lancer l'attaque, bah oui, la logique veut qu'il ne suffit pas de taper, lancer le programme Python. Il me faut un user file, il me faut un FQDN, il me faut un mot de passe, il me faut une URL à attaquer. D'accord ? Donc ça peut pas être à zéro. D'accord ? C'est forcément plus grand. Hein ? Et qu'est-ce qu'on cherche ? Bah, on cherche une longueur de chaîne. Une longueur de chaîne, bah oui, dès que je vais taper un caractère après le petit U, ça va incrémenter. Hein, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caractères. Ça sera forcément supérieur à 0. D'accord ? Supérieur à 0, supérieur à 0, supérieur à 0. D'accord ? On fait une comparaison simple. Ça nous permet de vérifier que l'utilisateur a rentré les bons paramètres au programme. Ensuite, on a le sprayer. Donc là, c'est au niveau de l'attaque. Hein, comment on va gérer ça ? Et ensuite, la logique, on lance l'attaque, on sort.
On va voir les Relay LDAP Attack, attaque de relais LDAP. D'accord? Donc on a une autre attaque qui est très intéressante qui peut être effectuée contre les mécanismes d'authentification LDAP, ou ce qu'on appelle aussi du LDAP, Passback. Il s'agit d'une attaque courante contre les périphériques réseau tels que des imprimantes lorsque vous avez obtenu un accès initial au réseau interne, par exemple en branchant un périphérique non fiable dans une salle de conférence. Okay. Quand j'aurai le temps, je vais vous montrer comment on peut militariser un firmware d'une clé USB. D'accord, on fera des rubber ducky pour pas cher. Vous allez récupérer la clé USB de votre grand-mère et on verra comment modifier le firmware et comment le militariser pour faire des rubber ducky, pour faire des attaques d'US key drop, hein, pour pas cher. Après, vous pouvez tout à fait, si vous êtes riche, acheter en lot sur Amazon des rubber ducky. Et si vous en commandez, je sais pas, 20, 30, 50, une centaine, vous pouvez les toucher pour moins de 10 euros, 7 euros, 5 dollars. Ça dépend de qui vous les vend. Mais on peut aussi faire nous-mêmes des rubber ducky. Hein, puisque qu'est-ce qu'un rubber ducky de Hack 5 que vous devez tous connaître ou pas? C'est une clé USB qui se fait passer pour une périphérique type clavier ou souris, mais généralement c'est un clavier, et à partir de là c'est un mode au niveau des drivers qui est assez permissif puisque il va pouvoir faire de l'injection de keystroke, hein, de frappe de clavier à la vitesse de la lumière, et il va pouvoir pousser des charges utiles à notre place. D'accord, et malheureusement l'antivirus généralement ne peut rien faire. Alors c'est pareil. Qu'est-ce qui différencie une clé USB normale d'un rubber ducky? Bah c'est juste le firmware, d'accord? Vous avez un firmware sur votre clé USB qui dit, bah écoute là, à Windows, l'utilisateur vient de rentrer une clé USB. Tiens, est-ce que tu peux me monter le système de fichiers en NTFS et faire apparaître, attribuer, allouer la lettre au lecteur, hein? Puis là, tu vas avoir un E, un F qui va apparaître avec ta clé USB dans ton poste de travail. Tu l'as bien compris. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut modifier le driver en fait. Et plutôt que de lui dire, bah écoute, tu vas utiliser le driver d'origine du fabricant qui dit à Windows que tu es une clé USB, et bah là, tu vas dire à Windows, en modifiant le driver, que tu es un clavier. D'accord? Donc en fait, la clé USB, elle va être montée dans le gestionnaire de périphériques, et au lieu d'apparaître comme support amovible, blablabla, blablabla, elle va apparaître comme périphérique, interface homme-machine, d'accord? Et le problème, c'est qu'avec l'interface homme-machine, eh ben, c'est une porte dérobée, ni plus ni moins. Donc, ça, vous l'avez bien compris, on s'en sert souvent pour les tests d'intrusion. Donc les attaques LDAP Passback peuvent être effectuées lorsqu'on accède à la configuration d'un appareil où les paramètres LDAP sont spécifiés. Par exemple, une interface web d'une imprimante réseau. Hein, on a des informations d'identification sur ces interfaces qui sont généralement conservées par défaut. Hein, si on ne les a pas changées, ça peut être toujours testé. Vous le savez, le couple admin-admin et admin-password ou admin-mot de passe ou admin default, bref, hein, je peux que vous encourager à tout le temps aller chercher la littérature technique, les manuels, d'accord? Essayez tout le temps, c'est le premier truc qu'on va faire, c'est de tester le mot de passe par défaut. Et vous verrez que parfois ça vous donnera accès à des routeurs, hein, ou à d'autres périphériques, d'accord? Ne vous dites pas c'est trivial, c'est impossible, parce que vous verrez que dans la vie, en fait, rien n'est parfait. Vous trouverez tout le temps une faille. Des fois, ça va être très compliqué. Des fois, ça va être très facile. Donc, dans cette opération, on ne peut pas extraire directement les informations LDAP, hein, car le mot de passe est généralement masqué. Mais on peut peut-être modifier la configuration LDAP de l'annuaire, telle que l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur LDAP. Et on va faire donc cette fameuse attaque passback. En grosso modo, on va modifier cette adresse IP avec notre adresse IP, tester la configuration LDAP qui va forcer l'appareil à tenter l'authentification LDAP sur notre appareil non fiable, entre guillemets. On va utiliser Responder, qui est un outil
Très bon outil d'ailleurs, qui va nous permettre de faire une attaque de l'homme du milieu et d'intercepter la tentative d'authentification. Hein, vous pouvez intercepter du NTLM via Responder. Et ça marche aussi avec notre ami LDAP. Comment on fait cette exécution de cette attaque passback? On a, partons du principe, une imprimante réseau, comme son nom l'indique, qui permet de faire des impressions grâce au réseau de l'entreprise. Hein? Donc cette imprimante, elle est sur le réseau où le site web d'administration ne nécessite même pas d'information d'identification. D'accord? Donc on peut accéder à cette page. Voilà. Donc c'est un fichier ASPX qui gère tout ça. Et on se retrouve avec un password. Malheureusement, il y a les astérix. On a le serveur, c'est un 10.10.10.101. Et c'est le SVC LDAP, d'accord, qui est rattaché au contrôleur de domaine. Alors là, il nous dit que le serveur fail, d'accord. Ça foire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si vraiment c'est mal codé, toujours aller regarder le code source. Peut-être que quoi? Peut-être que le mot de passe, il est en clair sur la page. Hein, si vraiment ça a été codé à l'arrache, on peut peut-être trouver le mot de passe qui est codé en dur directement et en plein texte, pas haché, pas chiffré. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que la value 1, elle est offusquée. C'est pas en clair, d'accord? Donc malheureusement, ça ne marche pas. D'accord, mais voilà, on a notre doctype, on a le body qui est là. Il y a une valeur intéressante là. Je sais pas ce que c'est. On va creuser. On voit qu'il y a des values très très longs, un très long string. Donc là, on voit que ça donne rien. Mais encore une fois, le hacking, c'est quoi? C'est comprendre une techno, comment elle fonctionne, voir quels sont les mécanismes, la logique. Soit de l'architecture, soit de la techno, hein, soit du logiciel pour détourner les fonctions. Là, on a quoi comme fonction? On a le test settings et on a le save settings. D'accord? Donc, vous pensez bien que, on a vu, hein, il nous dit que le test foire, mais est-ce qu'on pourrait pas se connecter justement, hein? C'est-à-dire faire une attaque de l'homme du milieu, appuyer sur le paramètre de test. À mon avis, hein, si on sait un peu comment fonctionne LDAP, je vous ai mis les croquis avant, va y avoir une demande d'authentification qui est faite au contrôleur de domaine. Vous vous rappelez, il y a une bind request au nom de l'utilisateur qui est envoyée au contrôleur de domaine par l'imprimante. Hein, on avait vu ça. Donc, cette demande, elle est envoyée au contrôleur de domaine pour tester l'identification LDAP. On peut essayer d'exploiter cela pour que l'imprimante se connecte à notre place. Hein, ce qui révélerait les informations de l'identification. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser un listener, Netcat, pour tester et voir si on faire en sorte que l'imprimante en fait se connecte à nous. D'accord? Étant donné que le LDAP c'est le 389 par défaut, on peut quoi? Ouvrir notre pare-feu en entrée, lancer le Netcat, LVP 389. C'est ce qu'on va faire. Alors, première étape, je vais cleaner. On va... Alors, pareil, hein, si vous l'avez pas fait, le premier truc à faire quand vous installez un Linux, si vous n'utilisez pas IPTable, si vous ne savez pas utiliser IPTable, puisque UFW permet de gérer IPTable, ni plus ni moins en fait. Et j'ai UFW, l'interface graphique, d'accord? Donc pensez que par défaut sur Kali, vous n'avez aucun pare-feu. Et en tout cas, il n'est pas configuré, il n'est pas activé. Donc vous avez IPTable, mais si tu n'actives pas tes règles IPTable, ça veut dire que ton Kali est à poil. Hein. Ça veut dire que ta machine, on lui fait l'amour. Donc on a GUFW également. Ça c'est le premier truc que vous devez faire. Et avec install, il paraît que ça marche mieux. Donc on installe ces deux paquets qui sont déjà installés chez moi. Et on va faire un sudo UFW Uber Firewall. Et je vais lui dire status. Je veux savoir un petit peu. Là, il me dit juste, écoute, t'as aucune règle. Par contre, le pare-feu est bien actif. Donc, par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque tout en entrée et il laisse tout sortir en sortie.
vous l'avez compris. Je peux faire un sudo GUFW pour vous montrer via l'interface graphique, hein, donc le G comme graphical. Et je vous dis toujours, là on est aux couleurs de l'Italie, le bon réglage, c'est aux couleurs de la France. C'est un rejeté, d'accord? Quelle est la différence entre rejeté et bloqué? Si tu bloques, si tu refuses, quelqu'un qui va faire un scan avec Nmap saura qu'il y a une machine à cette adresse IP. Si tu rejettes, hein, tu drops directement en fait les frames, hein, les trams, la personne ne peut pas être sûre qu'il y a bien quelqu'un. C'est juste la machine ne répond pas à cette adresse IP. Donc il peut y avoir aucun ordinateur à cette adresse IP. D'accord? Donc ça va mettre des bâtons dans les roues. Donc il faut tout le temps rejeter, faire du drop, plutôt que refuser. Parce que refuser, le hacker qui va venir pinger votre machine, il va avoir la réponse que le port est bloqué, fermé, d'accord? Avec Nmap. Donc s'il y a des ports, ne serait-ce qu'un port qui répond fermé, eh ben grosso modo votre pare-feu est mal configuré. Mais pourquoi ont-ils modifié ce port qui était jusqu'à présent fermé depuis 2016? Il est ouvert. Qu'est-ce que ce port? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce port? Parce que je sais qu'il y a des Troyens qui utilisent ce port. Qu'est-ce que dit Bobby, hein? 777 driver. Bonjour, depuis la mise à jour du firmware de la Livebox, le port 113, jusqu'alors masqué, est désormais visible, bien que fermé. Comment remédier à cette situation? Potentielle faille de sécurité. Et là, tu verras que bah, tu l'as dans l'os, hein? Bravo Orange, vous êtes des champions. Alors, Toto le hacker, qui est un grand complotiste, se dit, mais est-ce que nos agences de renseignement, hein, elles n'auraient pas tout intérêt à savoir si le 113 il est ouvert? Et question subsidiaire, est-ce qu'ils n'auraient pas une technique de port knocking, hein? C'est-à-dire envoyer une certaine séquence au port qui est fermé pour pouvoir l'ouvrir. Et tu l'as compris, c'est une porte dérobée. Ok? Je dis ça, je dis rien. Hein, je vous laisse méditer. Donc on s'ajoute le 389 et ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Ah si, ça passe maintenant. Incroyable. En principe, vous êtes obligé de faire sudo. Ok. Ah non, c'est avec Nmap, je suis en train de m'embrouiller. Voilà, j'ai rien dit. Donc voilà, on se fait notre listener. Le listener est en place sur le port LTAP. Ok, et en fait on va utiliser une technique un peu comme je vous avais montré avec log4shell, hein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais feinter le système. Ifconfig, je suis quoi moi? Je suis connecté à l'infra. Je suis en VPN. Et je vais lui dire, écoute, pas de problème. Écoute, tu vas garder ton petit mot de passe, il n'y a pas de souci, hein. Et puis ça va bien se passer. Hop, ça ça dégage, vous l'avez compris. Et je mets mon adresse. Hein? Si ça répond, j'ai plus qu'à faire une attaque de l'homme du milieu. Super ton copier-coller. J'aime beaucoup ce que vous faites. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'on récupère la connexion. Hein? On a une connexion du 201. Hein? Le 201, c'est le serveur qu'on a vu au tout début, le 2E2IS, hein, vous l'avez là. Donc vous voyez qu'on est en train de, hein, petit à petit, de s'amuser, on voit qu'il y a une imprimante, on sait qu'il y a des machines, hein, parce que je vous l'ai montré au tout début, mais on voit que petit à petit, on arrive à faire de la reconnaissance, d'accord? On était sur ce domaine-là, on commence à récupérer, à passer d'un domaine à l'autre, à énumérer, à faire notre phase de recueil d'informations. On pivote jusqu'à... Le but, ça va être de taper le contrôleur de domaine. Vous l'avez compris. Qui fait office de serveur DNS. Hein. C'est lui qui résout les FQDN. Ni plus ni moins. Ok. Donc là, c'est pas mal, mais ça bug. Hein. Il y a des petits trucs bizarres. Object class, supported capabilities. Voilà, j'ai pas non plus une main.
dire ouais, Maï, je peux pas faire de l'injection de commande. Il n'y a rien. C'est même pas un shell, quoi. C'est juste, on a établi la connexion. Mais au moins, on sait quoi. On sait que ça marche. D'accord ? On reçoit bien notre retour. Enfin, l'appel du LDAP. Donc, il faut qu'on fasse cette attaque de pass-back. D'accord ? Que ça soit bien clair. Si on regarde un petit peu, objet de classe, ça me parle pas. Par contre, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Hein? Supported capabilities. Capacité supportée. Moi, je sais pas. On cherche. LDAP capabilities. Supported capabilities. Intéressant. Donc, en fait, l'imprimante, elle nous dit que elle essaye de négocier les capacités qui sont supportées. D'accord ? Donc là, on a un problème. Elle envoie les informations d'identification, mais elle nous dit « J'aimerais négocier les détails de la méthode d'authentification LDAP. » D'accord ? Donc, elle va utiliser cette négociation pour sélectionner le mode d'authentification le plus sécurisé, généralement, qui est pris en charge par l'imprimante et le serveur LDAP. Si la méthode d'authentification est trop sécurisée, on a les informations d'identification qui ne seront pas transmises en texte clair. Okay. Si je fais une attaque de l'homme du milieu, j'ai plutôt intérêt à sniffer du texte clair. D'accord ? Je ne vais pas me casser la tête sur du chiffrement. Avec certaines méthodes d'authentification, on peut avoir les informations d'identification qui ne seront pas du tout transmises sur le réseau aussi. Hein, ça... Donc voilà, encore une fois, on va faire une attaque de downgrade, hein, et on va forcer à récupérer récolter les informations d'identification en forçant l'imprimante à utiliser justement le protocole le plus bas de gamme, d'accord, et nous envoyer les données en texte brut. Donc c'est une attaque de l'homme du milieu, mais il va falloir qu'on fasse du spoofing, hein, au niveau du LDAP. Donc on va créer un faux vrai serveur et on va faire une attaque de downgrade. Intercepter les communications, sniffer les paquets, intercepter le mot de passe en clair, et on aura terminé notre attaque de passback. Alors, vous voyez que on voit que au sein de l'Active Directory, on a plusieurs capacités. D'accord ? On voit qu'il y a différentes lettres, hein, en fonction de l'écosystème qui est utilisé, du serveur, du Windows Server, de la version, et on voit qu'il y a des descripteurs, on voit qu'il y a des droits étendus, hein, on voit des spécifications. Donc, bah, il doit y avoir un truc, hein, haute, hein, on peut chercher peut-être. Donc voilà, vous avez cette phase que je vais vous passer, où vous avez passé un après-midi, si vous ne connaissez pas, minimum, à comprendre, à lire la documentation. Hein. Le meilleur site au monde pour attaquer Windows, bah, c'est la documentation. Windows de chez Microsoft. Vous avez tout pour comprendre. Exactement comme les RFC seront vos meilleurs amis quand vous faites des attaques sur le réseau. D'accord ? C'est un mal nécessaire de lire tout ça et de comprendre. Sinon, vous n'arriverez jamais à rien. D'accord ? Alors, on va aller un petit peu plus vite, vous en doutez, sinon on passerait un après-midi sur le truc. Donc voilà. Il faut qu'on fasse cette attaque en mode escroc. Donc on a plusieurs façons en fait d'héberger un serveur LDAP. On peut utiliser OpenLDAP. Il y a même des outils, hein, sur GitHub pour faire de faux vrais serveurs LDAP. On pourrait nous-mêmes coder en Python un serveur LDAP. C'est pas très compliqué. Mais là on va faire en mode fainéant. D'accord ? Pop, parce que je suis en vacances, j'ai pas envie de me casser la tête. Alors, sudo apt install. Alors, update d'abord si vous n'avez pas mis à jour votre repo. Et instruction suivante, peu importe la condition, le résultat de la première opération, tu passes à autre chose. D'accord ? Et on va lui faire un Y install et on va vérifier qu'on a tout. Il nous faut slap pd l. DAP, utils, sudo system
Alors, on va appeler système SL, SSCTL, pardon. Donc là, c'est pour gérer les services. Vous savez que c'est la nouvelle version. Avant, on utilisait service, mais je vous avais dit dans mes vidéos sur Linux que à terme, service va disparaître parce que système CTL est plus puissant en termes de fonctionnalité, même si j'aime moins la syntaxe. Donc, ça met à jour le repo, donc les paquets qui sont disponibles. Ça va chercher les paquets qu'on lui a donnés. On veut installer deux paquets, slappd et ldapUtils. Et ensuite, troisième opération, on demande de démarrer le service slappd. Ok ? Pourquoi D comme daemon ? Ok ? Daemon, les démons. Les démons, c'est l'équivalent des services. C'est pour ça que vous voyez SSHD. Je vous dis toujours SSH client, SSHD serveur. Là, c'est pareil. Slap client, slap D, serveur, slap. Ok ? Donc là, visiblement, ça a téléchargé le paquet, mais ça l'a pas installé. Donc on va utiliser dpkg, puisque on voit qu'il n'est pas présent. Donc dpkg, ça vous permet d'installer des paquets, ça permet de configurer. D'accord ? Là, on va pas lui demander d'installer. Vous pouvez faire quoi ? Vous pouvez faire par exemple un dpkg install. Et par exemple, toto le hacker.deb. Ça, tu peux faire. Ça permet d'installer toto le hacker.deb. Qu'est-ce que tu peux faire aussi ? Tu peux faire un sudo apt install. Pareil, toto le hacker. Là, ça ne demande pas d'aller récupérer le repo, le paquet dans le repo, le dépôt de Kali Linux sur Internet. Ça dit dans le répertoire courant, j'ai téléchargé moi-même une archive au format deb et je veux que tu me l'installes. D'accord ? Donc je peux utiliser apt, je peux utiliser dpkg. Mais dpkg, on peut s'en servir aussi pour réparer les paquets, pour corriger des erreurs profondes. Si jamais, par exemple, les paquets sont corrompus. Ou, dans notre exemple, si le paquet a besoin d'être configuré avant de pouvoir fonctionner. Donc je lui passe un dpkg reconfigure. Comme en anglais, ça se dit pareil. Reconfigure, le pi. Et qu'est-ce que je veux ? On va lui dire lo. C'est un autre paquet. Et le slappd. Ok. Donc ils nous ont dit qu'il y a eu une mise à jour du kernel, du noyau, processeur microcode, et qu'il faut redémarrer. Ok, bon, à la limite, on verra plus tard. Restart, je vous conseille de l'installer sur tous vos Linux. Ça permet, à chaque fois que vous faites, vous utilisez apt, qu'il n'y a pas besoin de redémarrer votre machine, ou de vous déconnecter, et vous reconnecter, d'accord ? Ça vérifie les librairies, ça vérifie les mises à jour du noyau, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas des conteneurs qui ont besoin de redémarrer, des services, ou si jamais vous avez votre session utilisateur qui exécute des binaires qui sont périmés. Ok, donc là on est bien, on va quand même se lancer la commande. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de configurer moi-même. Là, il m'a juste demandé le mot de passe, je lui ai donné, pas de problème, mais je n'ai pas configuré moi-même. Il a fait la configuration par défaut. D'accord ? Nous, on va configurer notre serveur LDAP. D'accord ? Puisqu'on veut quoi ? On veut faire une attaque. Donc on va aller là-dessus. Je vais dire, ouais, voulez-vous omettre la configuration blablabla. Donc on va mettre que ça. Try that, try it me. D'accord ? Ça, c'est très important. C'est pour... il nous dit toto.example.org. Putain, mais il est partout ce toto. Donc voilà, vous prenez ça deux fois. Ok. Pareil. Apprends à faire les copies, les mots de passe. Hop. Prenez quelque chose de simple, ça me bat les couilles. Alors, faut-il purger ? Ça, vous faites non, c'est très important. D'accord ? Faut-il déplacer l'ancienne base de données ? Vous allez faire oui. Ok, parfait. Donc, on va utiliser un serveur LDAP non fiable, mais pour le rendre vulnérable, faire cette attaque de downgrade. Quel est le principe de l'attaque de downgrade ? Je vais forcer la configuration
ou forcer par exemple le navigateur de ma cible web à ne plus utiliser TLS, SSL, à repasser en HTTP. D'accord? Il y a des attaques comme ça, on peut simuler. Vous avez l'impression de surfer en HTTPS, mais en fait, on est en train de faire une attaque de downgrade, hein, via des variables qui sont présentes dans votre navigateur web, et on va pouvoir vous rediriger vers un site de phishing, ok? Ou intercepter tout simplement vos communications. D'accord? Donc, il y a des attaques de downgrade. Là, c'est pareil. Moi, je vais héberger, vous l'avez compris, mon propre serveur LDAP et je vais lui dire, écoute, plain login, c'est-à-dire qu'on va abaisser au maximum en fait les méthodes d'authentification. D'accord? On doit créer un fichier LDIF. Hein. LDIF, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement un fichier de configuration LDAP. Hein. Je vous conseille d'aller creuser, comme toute techno, si vous en avez jamais entendu parler. D'accord, c'est le LDAP Data Interchange Format. Je vous mettrai tout en description. Allez voir un peu. Donc, on est d'accord, c'est un format standardisé d'échange de données qui permet la représentation des données contenues dans un annuaire LDAP. Il permet également la représentation d'opérations sur les données de l'annuaire. Le contenu d'un annuaire est représenté par un ensemble de records, d'enregistrements. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a là. Hein, on peut s'en servir pour maintes et maintes choses. On peut s'en servir, en effet, pour pousser des données vers l'annuaire, d'accord? Mais nous, on va pousser, vous l'avez plutôt compris, on va pousser un fichier de conf, d'accord? On va changer la configuration interne. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut créer un fichier, d'accord? On a, alors, il y a plusieurs variables. Sudo nano OLCSASL, ça c'est important, les props. Alors, c'est les propriétés. Hein. Props, c'est toutes les propriétés de sécurité du SASL, d'accord? Le SASL, grosso modo, ça nous permet de modifier, de gérer la configuration, d'accord? Il y a deux trucs qui nous intéressent. On veut désactiver les mécanismes qui prennent en charge la connexion anonyme, puisque si je veux intercepter un couple user mot de passe, eh ben, bien sûr, il ne faut pas qu'il se connecte en anonyme à mon faux vrai serveur espion. D'accord? Et on a le min SSF. Minimum SSF, c'est la sécurité minimale acceptable. D'accord? On la passe à zéro, ça veut dire aucune protection. Donc là, je vais faire un petit fichier qui s'appelle, avec l'extension LDIF. Pas de secret jusque-là. Maintenant, on va créer. Alors, dans un annuaire, vous verrez souvent le DNCN, hein, qu'on peut voir également quand on travaille sur de l'Active Directory, les comptes. D'accord? Les comptes de service, notamment, ou quand on va requêter sur des objets. Là, je fais un replace. Rien de bien compliqué. Donc, vous voyez, je suis en train de me distraire déjà. Voilà, séparé par deux points. D'accord? Clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. Alors, il y a le fameux fichier hein, que j'ai renommé exactement comme ça. Là, on est bien. Et OLC, ça, sex, for. On passe en no, anonymous, donc pas de connexion anonyme, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on lui met? Min, SSF, on a vu, je la passe à la valeur 0 et pass cred, d'accord? C'est-à-dire pass et credential, d'accord? C'est-à-dire qu'on veut utiliser un couple utilisateur mot de passe pour se connecter à mon serveur, d'accord? LDA, Danua, Open LDA. On va modifier notre serveur en lui donnant, en lui spécifiant le fichier de conf LDIF hein, qu'on veut utiliser sur notre serveur LDAP. Donc on a un utilitaire maintenant que vous avez installé les paquets, tapez LDAP et vous allez voir, vous avez plein d'utilitaires. Nous on va utiliser LDAP modify, d'accord? Puisqu'on veut modifier la conf. LDAP modify. Alors je vais dire c'est externe, d'accord? Puisque bah, on tape, moi, mon ordinateur, il part sur le réseau interne, d'accord, de l'entreprise. Je lui passe un grand H, LDAPI. Donc ça, c'est notre point de terminaison. Il faut lui passer le fichier de conf. Autre instruction, sudo, et on démarre le service dans la foulée. D'accord. J'ai fait une boulette.
Donc là, il prend notre fichier de configuration. Hein, le SASL, il nous dit OK, external, l'authentification a été démarrée. Il met bien username, GID, number, 0, blablabla, blablabla. Et on passe le SSF. On lui a mis quoi comme paramètre? Rappelez-vous, on lui a mis min SSF, minimum SSF, valeur à 0. Donc là, on est bon. Donc maintenant, en théorie, l'authentification va se faire en texte clair. On va utiliser TCP dump pour capturer, hein, faire notre attaque de sniffing. Il nous faut ouvrir le port. Hein, vous savez que le LDAP, ça tourne sur le 389. Donc on va faire un hello 389. La règle a été ajoutée. Je vais faire un TCP dump. On va dumper SX I ETH 0 à notre interface. TCP, on sniffe du TCP et le port c'est le 389. On va essayer sur Twitter. Yeah, papa, on a la com. Donc vous voyez, faut pousser plusieurs fois. SVC try apni lata pass one. Donc on l'a, je pense que c'est celui-là. Try acme LDAP pass one arrobas. D'accord, donc vous voyez qu'on intercepte sans problème. C'est une bonne chose pour nous. On vient de gagner notre foothold. Vous voyez que petit à petit, on est en train de gagner l'accès sur les machines. D'accord? Il y a des machines que je voyais pas. Maintenant, tu as bien compris, j'ai quoi? J'ai le printer qui est sous mon contrôle, ok. Je peux me connecter, faire semblant que je suis l'imprimante, et on a attaqué, on commence à contrôler le NTLM host, le nom de domaine, d'accord, le host, et à partir de là, on pivote sur le réseau interne. On voit qu'on a une nouvelle machine qui vient d'apparaître, la 32202, d'accord. Donc on va essayer de compromettre toutes les machines les unes après les autres pour, une fois qu'on aura fait toutes les machines du bas, vous avez compris ce qui nous intéresse. C'est le contrôleur de domaine en haut, le THM DC. Ça sera le Saint Graal. Ok, donc là, je vais vous parler d'une technique qu'on verra plus tard. Je vais vous montrer un engagement de A à Z. Je vous l'avais dit, je voulais monter ça en mini-série. Je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire en ce moment. Et je me dis que, de toute façon, vu mes compétences, vu mes qualités en montage, autant qu'on vous montre techniquement voilà comment on fait un pentest de A à Z. On aura 5 machines à hacker. C'est la prochaine série de vidéos qui va sortir concernant les CTF. Il y a beaucoup de choses, de sujets que j'ai envie de traiter en ce moment. J'ai commencé des cours sur la cyberguerre. Il y a encore, je sais pas, 600 ou 700 pages de cours à vous faire. Voilà, j'essaie de tout faire avec le temps que j'ai. Je suis en vacances, je suis tranquille au calme. Mais je continue à vous poster des vidéos. Vous savez, je suis un fou furieux. Vous me connaissez. Donc, on va parler d'une technique qu'on va pas mettre en exergue là, mais comprendre que le meilleur outil que vous avez à votre disposition quand vous faites ce type d'attaque, c'est Responder. Voilà, c'est Laurent Gaffi qui travaille chez Spider Labs. Hein, ce sont les... Je vous dis qu'on a les meilleurs hackers au monde. C'est pas des mensonges. Laurent Gaffi en fait partie. Donc voilà, un petit coucou à Laurent. Et voilà, c'est quelqu'un d'énorme. Donc voilà, il a fait Responder. Responder, on va pouvoir empoiser les communications, on va pouvoir intercepter, faire du LLMNR, NBTNS, MDNS, Poisoner. On va empoisonner les communications. Je vous montrerai ce type d'attaque aussi. Il faut que je monte un lab et on va faire des attaques de downgrade. On va voir comment attaquer ces protocoles. Typiquement, c'est ce qu'on vous apprend quand vous passez votre CEH. Donc voilà, on va pouvoir également intercepter, faire des communications de Rogue Authentication Server via du NTLM V1, V2, LMV2. On peut intercepter du HTTP, du SMB, du MySQL, du FTP et du LDAP. D'accord ? On a également du NTLM SSP qu'on appelle Extended Security et tout ce qui est Basic Auth en HTTP. Donc, authentification basique, vous l'avez compris, User Password. D'accord ? Donc, c'est un très très bon outil qui est préinstallé. On a beaucoup de choses à faire
Et on peut attaquer du NetBIOS, je vous le disais, on peut attaquer du SMB, du MySQL, du HTTP, HTTPS, du LDAP, du POP3, de l'IMAP, du SMTP, du WPAD. Si vous voulez avoir la liste complète, je vous mettrai le repo. C'est un outil que vous devez parfaitement maîtriser puisqu'on s'en sert énormément. Alors, revenons un petit peu à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la technique en soi, hein, ce qu'on appelle un relais d'authentification. C'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre une authentication. Attends, ils ne savent pas écrire ces anglais. Authentications relays, hein, ça se traduit, pardon, en anglais. Donc, en continuant avec les attaques qui peuvent être mises en scène à partir de notre appareil escroc, on va maintenant examiner les attaques contre les protocoles d'identification réseau plus large. Hein. Dans Windows, il existe une quantité importante de services qui communiquent entre eux, ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser les services fournis par le réseau. D'accord? Donc, ces services doivent utiliser des méthodes d'authentification intégrées pour vérifier l'identité des connexions entrantes. Dans la tâche 2, on a vu comment explorer le NTLM, hein, comment il était utilisé sur une application web, dans une application web. Et on peut maintenant plonger un peu plus profondément et voir à quoi ressemble cette authentification du point de vue du réseau. Là, pour cette partie, on va se concentrer sur le NetNTLM qui est utilisé par le SMB. Samba chez Unix Linux et SMB, vous savez, ça permet de faire l'interconnexion également avec du Windows. C'est le serveur message bloc. Ça permet aux clients, donc comme les postes de travail, de communiquer avec un serveur comme un partage de fichiers, d'accord? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les réseaux qui utilisent Microsoft AD, SMB régit tout. Partage de fichiers inter-réseau jusqu'à l'administration à distance. On a même une alerte sur papier, hein, que votre ordinateur reçoit lorsque vous essayez d'imprimer un document avec le protocole SMB, d'accord? C'est le principe du spooler, hein, et puis des imprimantes à distance. Donc la sécurité des versions antérieures du protocole SMB a été jugée insuffisante. On a plusieurs vulnérabilités et exploits qui ont été découverts pour être exploités pour récupérer des informations d'identification ou même d'exécuter du code sur les appareils. Hein, c'est pour ça que je vous conseille de désactiver le SMB si vous êtes à la maison et si vous ne l'utilisez pas. Et si vous l'utilisez, utilisez du V3, hein, surtout pas de V1, de V2 qui est complètement pété. Bien que certaines de ces vulnérabilités aient été résolues dans les versions plus récentes du protocole, les organisations n'appliquent souvent pas l'utilisation de versions plus récentes, car les systèmes R&D ne les prennent pas en charge. D'accord? Donc on va examiner deux exploits. L'aspect théorique, si on parle de SMB via l'authentification NetNTLM. Tout d'abord, étant donné que les défis NTLM peuvent être interceptés, c'est le diagramme que vous avez sous les yeux. On peut utiliser des techniques de craquage en ligne pour récupérer le mot de passe associé au défi NTLM, mais le processus de craquage est beaucoup plus lent, d'accord, que le craquage direct des hachages NTLM. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre dispositif en mode escroc, toujours, pour mettre en scène une attaque de l'homme du milieu, comme je vous le disais, qui va relayer tout simplement l'authentification SMB entre le client et le serveur, ce qui va nous fournir une session authentifiée active et un accès au serveur cible. Alors, on va parler de vieux protocoles, mais qu'il est toujours bon de connaître. Le LLMNR, le NBTNS et le WPAD. Alors, il faut comprendre comment on se sert de cette authentification, hein, qui va permettre parfois l'utilisation de SMB. On a Responder, l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, qui va intercepter le défi NTLM et le déchiffrer. Il y a beaucoup de ces défis qui volent, hein, sur le réseau, c'est-à-dire qu'on peut intercepter les paquets et récupérer ces défis, puisqu'on a vu en préambule que c'est toujours ce même principe. Hein, on a quoi? On a challenge, response, d'accord? Défi, réponse, défi, réponse. Allez voir en cryptographie si vous ne connaissez pas ce concept. Certaines solutions de sécurité effectuent même un balayage de plages d'adresses IP entières pour récupérer des informations à partir d'autres. Parfois, en raison d'enregistrements DNS obsolètes, ces défis d'authentification peuvent finir par frapper votre appareil non-firm au lieu de l'autre prévu. Hein, c'est ce qu'on a fait. Vous l'avez vu, ça a parfaitement fonctionné tout à l'heure. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse à les types de requêtes. Hein, je vais vous parler un peu du Link Local Multicast Name, le NetBIOS Name Server et le Web Proxy Auto Discovery.
Alors, répondeur, je vous ai dit, je vous ai parlé de tous ces protocoles. On peut également faire, en préambule, je vous ai dit, des empoisonnements. Hein? Quand je vous ai parlé de répondeur, je dis, on peut faire du poisoner, du poisoning. Eh bien, on va empoisonner, justement là, les réponses lors de l'authentification NTLM. En fait, le client va nous parler à nous au lieu du serveur réel. Hein? On va s'intercaler entre le client, entre le serveur. C'est le principe de l'attaque de l'homme du milieu. Donc, sur un réseau local réel, le répondeur, on va l'appeler comme ça, responder, on parle de notre programme, tentera d'empoisonner toutes les requêtes LLMNR, NetBIOS Name Server, NBTNS et WPATH. D'accord? Détecté. Donc, sur les grands réseaux Windows, ces protocoles permettent aux hôtes d'effectuer la propre résolution DNS locale pour tous les hôtes du même réseau local. Ça, c'est important. Donc, plutôt que de surcharger les ressources réseau telles que les serveurs DNS, les hôtes peuvent tenter de déterminer d'abord si l'hôte qu'ils recherchent se trouve sur le même réseau local en envoyant justement du LLMNR, Link Local Multicast Name Resolution, résolution de nom en multicast via un lien local. D'accord? Allez voir si vous ne connaissez pas, c'est les bases du réseautage, vous devez comprendre ce que c'est l'unicast, le multicast, hein, c'est vraiment important, et le broadcast, hein. Donc voilà, hein, uni mono diffusion, multicast, multidiffusion. Je vous avais fait des cours et bah, allez Google Doc ça, si vous ne le savez pas, il y a une petite vidéo sur le sujet où je vous expliquais dans quelle situation on se sert bah, du multicast, de l'unicast et du broadcast. D'accord, le broadcast, si vous avez quelques notions, vous devriez absolument le connaître hein, puisqu'on s'en sert tous les jours. Ça permet de faire l'adressage IPv4. D'accord? Donc sur les grands réseaux Windows, vous l'avez compris, on se sert de cette technologie. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut essayer d'intercepter les communications et voir si les autres répondent. Le NetBIOS Name Server aussi, pareil, NetBIOS protocole précurseur de LLMNR, et on a des requêtes WPATH, Web Proxy Auto-Discovery, d'accord? Auto-découverte de proxy web. Et le NetBIOS, eh ben, c'est très très vieux et c'est un vecteur d'attaque. Donc pareil, absolument, vous devez bloquer dans vos pare-feux, fermer les ports, fermer via des commandes, des clés de registre, des GPO, faites ce que vous voulez, mais il faut désactiver le LLMNR, il faut désactiver le NBTNS et le WPATH si vous n'en avez pas besoin, tout simplement. Et à la maison, à moins d'avoir un paquet d'ordinateurs. Ou peut-être vous connectez votre NAS avec, mais honnêtement, c'est des protocoles totalement désuets, hein, qui ont plus d'une trentaine d'années, et c'est le meilleur moyen pour pirater une machine. Donc, bloquez-moi tout ça. Donc, étant donné que ces protocoles reposent sur des requêtes diffusées sur le réseau local, l'appareil non fiable, le nôtre, va recevoir également ces demandes, vu qu'on s'intercale entre le client et le serveur. Donc, habituellement, elles sont droppées, hein. Elles sont simplement abandonnées parce qu'elles ne sont pas destinées à notre hôte, d'accord? Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'avec Responder, il va écouter activement toutes les demandes et renvoyer les réponses empoisonnées, indiquant, vous l'avez compris, à l'hôte qui est le demandeur, que l'adresse IP qui est associée au nom d'hôte demandé, eh bien, la nôtre et pas une autre machine. D'accord? Donc le fait d'empoisonner, en fait, ça va forcer le client à se connecter à notre Kali Linux. Donc, dans cette même logique, on va héberger plusieurs serveurs et on peut faire plusieurs attaques en même temps. Hein? SMB, HTTP, SQL ou d'autres. Capturer les requêtes, forcer l'authentification. C'est là tout le but du jeu. Ensuite, l'interception du défi NetNTLM. Il y a une chose à noter, c'est que Responder essaye essentiellement de gagner la condition de course. Hein. C'est ce qu'on appelle une race condition en anglais, en empoisonnant les connexions pour s'assurer que vous interceptiez la connexion. Donc en programmation, une race condition, ou ça peut être aussi également en réseau, c'est tout simplement, on va dire quand il y a deux ressources, okay? Quand il y a deux appels en bas niveau qui s'effectuent en même temps. D'accord? Et vous savez que les deux ne peuvent pas accéder à la ressource en même temps. C'est totalement impossible. Il y en aura toujours un premier et un second. Hein? En fonction du timing, il y en a un qui arrivera plus tôt que l'autre.
D'accord? C'est ce principe de condition de course, comme on l'appelle, race condition. Donc nous, le but de Respondeur, c'est de gagner cette race condition. On veut toujours intercepter et renvoyer le poison sur le réseau, empoisonner le réseau local, avant que la vraie machine réponde. D'accord? C'est comme ça qu'on arrive à s'intercaler. C'est comme ça qu'on arrive à intercepter la connexion. C'est comme ça qu'on arrive à sniffer les paquets. D'accord? Mais ça limite. Hein, on peut se limiter au défi d'authentification par empoisonnement sur le réseau local, puisque bah, de facto, à cause de cette condition de course, eh ben, on est assez limité. Mais on va pouvoir faire quand même pas mal de choses. Là, vous savez qu'on est connecté au VPN, d'accord? Je suis sur mon réseau local, je lance le tunnel VPN et j'attaque l'infrastructure de TryHackMe en Irlande. Ok? Donc, on pourra empoisonner les défis d'authentification qui se produisent sur ce réseau VPN, puisque mon réseau est connecté à leur réseau grâce au tunnel VPN. Donc, il faut simuler une demande d'authentification qui peut être empoisonnée et qui va s'exécuter toutes les 30 minutes. D'accord? Donc, le but de cette attaque, c'est d'être extrêmement patient. Hein? Il y a des interceptions qui vont mettre 1 heure. Hein? Quand vous faites du NetNTLM via Respondeur, ne croyez pas, vous avez vu des joueurs. Il y a quelques minutes, comment je me suis repris plusieurs fois. J'ai intercepté les connexions sur le TH0. Je suis passé ensuite sur mon Tune 0 sur le VPN avec TCP dump. J'ai ajouté mon adresse IP. J'ai rajouté le port, le 389, jusqu'à arriver à intercepter les communications. D'accord? Puisque le fait que vous ne soyez pas directement sur le réseau local, on passe quand même par un VPN et entre vous, la connexion VPN et les infras de TryHackMe dans cet exercice ou de votre client que vous devrez pen test, eh ben vous l'avez compris, il peut y avoir des pertes de paquets. D'accord? Il peut y avoir des switches, des routeurs ben, qui ont un engorgement, une congestion au réseau et vous allez avoir des drop frames, hein, des trames IP qui vont se perdre dans la nature. Et donc, nous, quand on intercepte, vous l'avez compris, un défi, challenge response, on veut que la réponse soit pas corrompue. On veut l'ensemble des paquets. D'accord? Sinon, on ne pourra pas utiliser et récupérer les secrets. Donc, il faut être patient. Hein? Tout est question de patience. Mais vous allez voir, plus vous faites des attaques complexes, plus vous allez voir que ce n'est pas comme dans les films et qu'on peut passer des heures, on peut passer des jours à parfois attendre. D'accord? D'ailleurs, le premier truc en pen test, en fait, c'est qu'on lance Respondeur et on les laisse tourner sur avec nos serveurs escrocs. On va attaquer, on va paramétrer des serveurs. Je vous disais LDAP, SMB, MySQL. Et nous, à la maison, enfin à la maison, au boulot, pardon, on a Respondeur qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a une machine dédiée avec Respondeur qui intercepte constamment les communications. OK? Et plus on rebondit sur le réseau, plus on avance dans notre cyberattaque, plus Respondeur sera à même d'intercepter du trafic. OK? Puisqu'on passe de VLAN en VLAN, on va essayer d'attaquer les trunks, des switches qui sont mal configurés et on va pivoter sur le réseau. D'accord? À partir de là, on reroute les communications et Respondeur, bah pareil, intercepte, empoisonne de nouvelles demandes d'authentification. Donc ça, c'est vraiment des techniques que vous allez utiliser quand vous allez faire du red teaming. D'accord? Lorsqu'elles sont exécutées à partir de l'appareil non fiable, vous avez compris que en se connectant au réseau local de l'organisation, on va automatiquement perturber le comportement, mais ça peut être aussi négatif. D'accord? Quand il n'y a pas de but d'être furtif qui est requis, vous pouvez le laisser tourner pendant des jours. Vous avez bien compris qu'à partir du moment où vous faites ce type d'attaque, vous pouvez être détecté, hein, par les sons d'anti-intrusion et tout simplement si on sniffe les paquets. Donc encore une fois, tout va dépendre quels sont les prérequis que vous a demandé votre client. Mais si la furtivité n'est pas importante, activez Respondeur le plus tôt possible. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va mettre la puce à l'oreille et il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Si je développe en empoisonnant les demandes d'authentification, les tentatives normales d'authentification réseau vont échouer. Ce qui signifie que les utilisateurs, les services, ben, ne peuvent pas se connecter aux autres et au partage. Hein? Ceux qui ont l'intention de le faire, puisque vous empoisonnez les communications. Donc, gardez ça à l'esprit. Vous pouvez le faire, mais vous allez être grillé. D'accord? C'est extrêmement puissant, mais il ne faut pas en abuser.
Donc on va se lancer notre ami. On doit avoir répondeur, ouais. Alors, on va faire un sudo puisque bah, responder pi. Alors vous avez le fichier de conf aussi hein, qui peut être utile. Tiens, on va aller voir en direct. Sudo nano responder conf. Et vous voyez, vérifiez que tout est sur on, d'accord? Pour intercepter tous les protocoles pris en charge. Custom challenge, si vous avez besoin de modifier. SQLite database file également. Log. Ok, je vérifie. Specific address to respond. Voilà tout. S'il faut, il faudra modifier ce paramètre. Il prend tout, il prend tout, il prend tout. Ouais, on est bon. HTTP serveur pour l'instant. Et je lui donne mon interface. D'accord? Moi, c'est une 0. Ok. Donc, on voit. Error starting TCP en 389 et 53. Check permission on other services. Pareil, il a un problème avec le 53. Alors, le service, on va se l'arrêter. Plus simple. Ok, se relancer la commande. Ok, on a toujours le souci sur le DNS. Alors on voit qu'au bout de quelques minutes, on a bien l'interception. On voit que c'est fonctionnel. On a récupéré le hash, attaque, par l'homme du milieu. Et on voit qu'on a le SSP, hein, NTLM V2. Visiblement, il y a une autre machine qui s'appelle SVC File Copy. Et on récupère. Tout simplement le hash qui va nous servir. Alors, on va se le copier. On va se le stocker, CTRL C. Et l'erreur que j'ai faite au début, je vais vous montrer. J'ai tout simplement oublié d'ouvrir le port en entrée. Erreur bête sur le 445. Hein, donc, il fallait faire un sudo ufw allo 445. En effet, vous ne pouvez pas intercepter les communications via une attaque de l'homme du milieu si vous ouvrez pas les ports. Hein? On voit que à partir du moment où j'ai ouvert mon port, j'ai récupéré sans problème la connexion. D'accord? Donc, on évolue. Hein? Vous voyez comment on passe d'une étape à une autre. On introduit des concepts. Je vous montre comment ça fonctionne. On peut aussi faire une attaque de relais, hein, du défi. Donc on voit qu'avec notre serveur en mode escroc, hein, attaque de l'homme du milieu, répondeur, au bout d'un certain temps, capture plusieurs défis. Il nous en affiche qu'un, hein, puisque là c'est la même personne qui essaie de s'authentifier au service, ou la même machine. Ça a l'air d'être plus un compte machine. Mais on commence maintenant à avoir tout ce qu'il faut. Pourquoi? Pour initier notre craquage. Hein, on va lancer une attaque de brute force sur notre hash que je viens de copier. On va le mettre dans un fichier texte simple. Et on peut le passer soit à John the Ripper, soit à H4. D'accord? Et on va utiliser une petite liste custo. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais sortir de là. On va cleaner. Je vais créer. Je vais créer, je vais créer, je vais créer un fichier qui s'appelle h.txt. Je vais copier. J'enregistre CTRL O, CTRL X. Je vais faire un name .h pour vérifier le h. Il va nous donner le code pour H4. C'est un fichier et je lui donne le fichier. Ok, il nous dit c'est du bien du net NTLM V2. 5600, ok? H4, HC. Donc parfait. On va se lancer ça, mais il me faut un dictionnaire. Et comment on évolue hein, au sein de la machine, petit à petit, on arrive à corrompre. Là, vous voyez que. Grâce à celle-là, on accède à celle-ci, celle-ci. Grâce à celle-là, on a les noms de domaine, on les récupère un après l'un, le site vitrine, ensuite l'imprimante. Il y a encore deux, trois machines à poutrer, d'accord? Et après, le but, ça sera d'attaquer le contrôleur de domaine, je suppose. Donc là, il y a password list et je vais la copier dans le répertoire courant, point. Ok, donc là, on a tout ce qu'il faut pour lancer notre attaque. Je vais lui faire un H4. Je vais lui dire M, vous avez vu que c'est le 5600, c'est le code hein, qu'il faut. Il faut notre hash, il faut notre dico, avec non pas les usernames,
les passoires. Et voilà. Puis on peut faire un petit force si on veut booster un peu les performances. Donc là, ça devrait tartiner un peu. Étrangement, j'ai pas le CPU qui monte plus que ça. Ah, il est en train de craquer. Il le trouve très facilement. En même temps, je pense que la password list doit être très très courte. Ouais. Donc, c'est un de ses mots de passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Il y en avait quelques-uns quand même. Ok. F password one. Donc, on récupère un nouveau mot de passe. Donc, on voit le compte qui va nous servir pour plus tard. Et son mot de passe associé une fois qu'on a craqué. Alors, maintenant, on va parler du Microsoft Deployment Toolkit, hein, boîte à outils de déploiement. En fait, dans les grandes organisations, elles ont besoin d'outils pour déployer et gérer l'infra. Hein, au niveau du domaine, du contrôleur de domaine. Dans les grandes organisations, vous ne pouvez pas faire en sorte que votre personnel informatique utilise des DVD ou même des clés USB, d'accord, en cours d'exécution pour installer des logiciels sur chaque machine. Donc, Microsoft fournit des outils nécessaires pour gérer et permettre tout ça. Le problème, c'est que ces outils, on peut faire des attaques Living off the Land et s'en servir pour attaquer l'Active Directory. D'accord? On va exploiter des erreurs de configuration dans ces outils et parfois, bah, c'est le cas. Donc, on va parler un peu de MDT et de SCCM. MDT, ça veut dire Microsoft Deployment Toolkit. Grosso modo, c'est un service Microsoft qui va aider à automatiser le déploiement des systèmes d'exploitation Microsoft. Vous savez que dans les grandes boîtes, on utilise des services tels que MDT pour aider à déployer de nouvelles images dans leur domaine plus efficacement, car les images de base peuvent être maintenues et mises à jour dans un emplacement central. Donc on a un serveur de déploiement, hein, et on va venir pousser sur tous les postes clients via le contrôleur de domaine ces fameuses images. Ça nous permet de pas envoyer un technicien sur chaque ordinateur avec les DVD ou la clé USB bootable de Windows pour installer, vous l'avez compris, le système d'exploitation sur l'ordinateur. On peut utiliser aussi une composante KMS. KMS utilisée en entreprise pour activer les Windows, les licences en masse. On peut se servir de faux vrais serveurs KMS pour pirater la licence de Windows et ne pas payer les Windows. Hein? Donc à chaque fois, toute technologie, elle est bonne, mais vous le savez qu'elle peut être soit militarisée, soit on peut s'en servir pour ne pas payer Windows. Donc habituellement, MDT est intégré à SCCM, c'est le System Center Configuration Manager, donc gestionnaire de configuration centralisé du système Microsoft, qui va gérer toutes les mises à jour pour toutes les applications, services, systèmes d'exploitation Microsoft. D'accord? Lui, il centralise, c'est comme une sorte de Windows Update, mais pour l'ensemble du parc informatique. MDT, il est utilisé pour les nouveaux déploiements. Dès qu'il y a un nouveau salarié, on lui déploiera sa machine grâce à MDT. Hein, et comme je vous disais, l'équipe informatique préconfigure, gère les images de démarrage et après elle n'a plus qu'à les pousser, elle n'a pas besoin de configurer la nouvelle machine, il suffit de brancher un câble réseau et tout se passe automatiquement. Et on va appliquer pour chaque poste des GPO, des règles, des group policies, d'accord? Des règles de sécurité globale, de groupe. Donc ça permet de faire pas mal de choses et notamment bah, on peut modifier l'image de démarrage ou l'installation des logiciels par défaut, tels que Office 365, ou l'antivirus qui sera utilisé dans l'entreprise, dans l'organisation. On peut également s'assurer que la nouvelle mise à jour est faite, hein, et que dès que l'installation est terminée, toutes les mises à jour, tous les paquets vont venir automatiquement se greffer, s'installer sur la nouvelle machine du parc informatique. SCCM, il peut être considéré comme une extension, en fait, de MDT. Donc, MDT, c'est le petit frère. SCCM, c'est le grand frère. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il advient du logiciel après son installation? SCCM fait de ce type de gestion bah, des correctifs.
Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. Le petit frère c'est MDT et SCCM c'est une expansion de MDT, c'est le grand frère. D'accord? Quand on installe un programme, qu'est-ce qui va se passer? SCCM va avoir le message de MDT qui a dit hey, j'ai installé Office 365, automatiquement SCCM va gérer les correctifs. D'accord? Il va chercher des mises à jour, des correctifs de sécurité. Donc ça permet à l'équipe informatique d'examiner toutes les mises à jour, les MAJ, comme on les appelle, mises à jour logiciels, pour tous les logiciels installés du contrôleur de domaine. Et comme je vous ai dit, le contrôleur de domaine fait l'asservissement, il contrôle l'ensemble des machines qui sont rattachées à la forêt du domaine. D'accord? On a des arbres, on a des forêts, on a des domaines. Ça, vous devez parfaitement étudier comment se compose une forêt Active Directory ou des forêts Active Directory, et on a généralement pas un contrôleur de domaine, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30, 40 pour les plus grosses entreprises. D'accord? Donc c'est névralgique, hein? Je vous le dis toujours, qui contrôle le contrôleur de domaine, hein? Eh ben, on contrôle tout. D'accord? Qu'est-ce que fait le contrôleur de domaine? Il contrôle, vous l'avez compris. Donc celui qui prend le contrôle du contrôleur, eh ben, peut contrôler à sa place. Hein? Je pense que c'est clair. Donc ça va permettre de tester les correctifs SCCM dans un environnement sandbox, en fait, hein, pour s'assurer qu'ils sont stables avant de les déployer de manière centralisée sur toutes les machines qui sont jointes et qui sont liées au domaine. D'accord? Ça évite de ne pas avoir, vous le savez, hein, vous avez fait maintes et maintes fois des mises à jour. Et il peut y arriver qu'il y ait des problèmes. D'accord? Donc ça facilite considérablement la vie de l'équipe informatique. Donc cependant, tout ce qui fournit une gestion centralisée de l'infrastructure telle que MDT, SCCM, bah, peut être également ciblé par des attaquants dans le but de prendre le contrôle d'une grande partie des fonctions critiques du domaine. On peut s'en servir pour faire une attaque de supply chain, hein, de chaîne logistique. Tu penses bien que si j'arrive à pousser au service informatique, une mise à jour, un paquet que j'aurais moi-même militarisé, et j'aurais introduit soit des portes dérobées, soit un verre, eh ben, ça va être testé en mode sandbox. Si le sandbox ne détecte rien, et que tout va bien, et qu'il ne détecte pas la charge utile, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va pousser, à partir du sandbox, il va pousser, déployer ce correctif maison que on va faire. D'accord? Et là, ça nous permet d'attaquer toutes les machines d'un parc informatique. D'accord? Donc, il y a le PXE, ce qu'on appelle le Pre-Boot Execution Environment, ce que vous savez peut-être pas, mais depuis 10-15 ans, on peut booter sur le réseau. D'accord? Il y a un démarrage réseau spécial qui s'appelle le PXE et qui permet tout simplement de se connecter au réseau et au lieu de booter sur quoi? Une clé USB? Au lieu de booter sur quoi? Un DVD, un Blu-ray, au lieu de booter sur une partition, un volume d'un disque dur, on va booter à partir du réseau. Hein? Le PXE, c'est un protocole qui va, via le DHCP, attribuer un bail IP et pouvoir charger à distance des périphériques ou carrément un système d'exploitation directement via la connexion au réseau. D'accord? Donc vous imaginez après en termes de vecteur d'escalade, d'attaque, hein, c'est pour nous du pain béni. Donc les grosses boîtes utilisent le démarrage PXE pour permettre aux nouveaux périphériques connectés au réseau de charger, d'installer le système d'exploitation directement via la connexion au réseau, comme je vous le disais. Donc MDT peut être utilisé pour créer, gérer, héberger des images de démarrage PXE. Vous avez compris où je veux en venir? Le démarrage de PXE, il va être intégré à DHCP. Ça veut dire que DHCP, automatiquement, dès qu'il voit une machine, il lui donne un bail d'une durée limitée sur le réseau et il lui donne une adresse IPv4, d'accord? Ou IPv6. Donc l'hôte est autorisé à demander l'image de démarrage PXE et il va démarrer le processus d'installation du système d'exploitation réseau. Vous avez le flux sous les yeux, d'accord? Donc vous voyez que cette fois-ci, c'est encore plus complexe que les autres diagrammes qu'on avait vus. Cette fois-ci, ça se fait, hein, c'est un 8-way handshake, d'accord? C'est une poignée de main en 8 voies. Donc le processus s'effectuait, le client va utiliser une connexion TFTP, télécharger l'image de démarrage PXE,
Et nous, on peut exploiter l'image de démarrage de deux façons différentes. Soit on va injecter un vecteur d'escalade pour permettre une escalade de privilège dans un compte administrateur local, et ça va nous permettre d'obtenir un compte administratif, d'accord? Dans le système d'exploitation, une fois que le démarrage PXE est terminé, où on peut éventuellement effectuer des attaques de récupération de mots de passe et on va récupérer les informations d'identification Active Directory utilisées lors de l'installation. Alors, si on regarde le diagramme, on développe, on a trois parties. Hein, l'utilisateur est au centre et il communique à gauche et à droite. À gauche, on a le MDT, hein, qui est géré par un serveur. À droite, on a le DHCP, qui est géré également par un serveur DHCP. Alors, si on regarde, la première étape, l'utilisateur, il demande un discover. Hein, au niveau du DHCP, ça va être une requête pour qu'on lui attribue une adresse IP et qu'il puisse se connecter au service PXE. D'accord? Il requête au niveau des informations. Le serveur DHCP lui dit, OK, tiens, je te fournis une adresse IP avec un bail qui est disponible sur le réseau et voilà les informations si tu veux utiliser le PXE. D'accord? L'utilisateur continue. C'est pas fini, c'est un four-way handshake avec le DHCP, quatre poignées de main. La troisième poignée de main, il lui fait coucou, je voudrais avoir cette fois-ci le DHCP request. Hein. C'est toujours DHCP discover, offer, request, acknowledge. D'accord? C'est un four-way handshake. Une poignée de main entre deux ordinateurs s'effectue en quatre voies lors du protocole DHCP. Donc, troisième partie, il fait une request. Les deux premières, c'est la discover et l'offer. Le serveur DHCP répond, hein, il accepte, hein, puisque l'utilisateur, lors de la request, lui dit, OK, cette adresse IP me convient, s'il te plaît, confirme-moi que je peux l'utiliser. Et la quatrième poignée de main, hein, vous voyez, ça fait des allers-retours, c'est le serveur qui répond via un c'est le serveur qui répond via un acknowledge et qui lui dit, OK. Je suis d'accord. D'accord? Donc, confirmation DHCP. À partir de là, l'utilisateur a quoi? A établi via le DHCP, le serveur DHCP, une communication sur le réseau. Il a maintenant une adresse IP, une adresse MAC, et il va pouvoir utiliser son PXE pour se connecter au serveur TFTP. Cinquième étape. L'utilisateur, maintenant qu'il a son adresse IP et son adresse MAC, il peut communiquer. D'accord? Avec le serveur MDT. Il ne pouvait pas le faire avant, il n'avait pas de bail DHCP attribué à son ordinateur. Donc là, le client, il fait un boot service discover, BSD. D'accord? Il lui dit, écoute, j'aimerais démarrer, s'il te plaît, je n'ai pas encore de système d'exploitation, je sais que tu peux faire le travail à ma place. Coucou, je suis l'utilisateur 101 et je voudrais que tu m'installes Windows. D'accord? Le serveur MDT, il regarde, il fait... ok, je regarde tes informations PXE que tu as échangées avec le DHCP. Je sais que tu as maintenant, tu existes sur le réseau, tu as un bail. J'ai une adresse MAC, j'ai une adresse IP. Ok, tu sais quoi, je te confirme que tu peux bien utiliser mon service. Je te donne les informations qui vont te permettre de booter via le PXE. L'utilisateur, septième étape, hein, va demander une requête de boot PXE via le serveur TFTP. Et dernière étape, 8, le serveur lui répond et lui dit, OK, pas de problème, je te donne l'accès au TFTP. D'accord? L'utilisateur a établi sa connexion sur le réseau grâce au bail DHCP. Il a pu ensuite se connecter au serveur MDT pour utiliser le PXE et booter. D'accord? Là se lance l'installation du système d'exploitation. Donc on va essayer de se concentrer sur une attaque de récupération de mots de passe. D'accord? Moi, le but, ça va être intéressant, c'est plus facile, moins chronophage de récupérer les informations d'identification. Donc, si on veut faire ça, eh ben, on peut peut-être tenter de récupérer un compte de service de déploiement associé au service MDT lors de l'installation de cette attaque, hein, de récupération de mots de passe. En outre, il est également possible de récupérer d'autres comptes AD utilisés pour l'installation sans assistance d'application et de service. Mais ça tombe bien puisqu'on a récupéré quelques comptes, hein, depuis tout à l'heure. Alors, récupération de l'image de démarrage PXE.
Le DHCP, c'est un peu délicat. On va contourner les étapes initiales de cette attaque. Hein. On va ignorer la partie où on va tenter de demander une adresse IP. Il y a plein de tutos qui vous montrent comment attaquer le DHCP, comment on peut attaquer le NAT. D'accord? Et il y a une phase de préconfiguration au niveau du démarrage PX. Si vous faites vos recherches sur Internet, vous trouverez comment on effectue ce type d'attaque. Donc, on va se focaliser sur la partie la plus intéressante, puisque nous, c'est pas s'intéresser au PXE, c'est surtout comprendre comment fonctionne l'Active Directory et toutes ses composantes. Donc, la première information concernant la préconfiguration du démarrage PXE, on l'a reçue via le DHCP. Comme je vous l'ai expliqué, on a l'adresse du serveur MDT. Donc, on va essayer de récupérer ces informations à partir du réseau, hein, Try Acme. Donc, la deuxième information qu'on a reçue, c'est le nom des fichiers BCD. Vous allez voir, faites des recherches, vous avez plein de fichiers BCD dans votre Windows. Ces fichiers stockent les informations relatives au démarrage PXE sur les différents types d'architecture. D'accord? Donc, nous, on aura fait une reconnaissance, bien sûr. Hein, là, on va un petit peu plus vite que la musique. Et habituellement, quand on utilise TFTP pour demander chacun des fichiers BCD et énumérer la configuration pour chacun d'eux. Le but, c'est de gagner du temps. On va se concentrer sur l'architecture x64 bits, puisqu'on veut quoi? On veut tout simplement attaquer du 64 bits. D'accord? Donc, si je regarde, si on avait fait notre phase de recours, il doit y avoir une machine qui gère tout simplement via le serveur TFTP le PXE boot. D'accord? On connaît tous nos noms de données. Donc là, vous avez bien compris, on aurait lancé une attaque hein, pour faire une découverte et pivoter sur le réseau. On est en train d'accélérer, sinon l'attaque durerait 12 heures. Je doute que vous regardiez ma vidéo qui risque de faire plus de 2 heures, je pense allègrement. Le recours, on a pivoté de machine en machine, hein, on récupère les FQDN, hein, les noms DNS et je veux connaître. Les hostnames, je veux connaître les adresses IP. Ça me permet, à partir du contrôleur de domaine, de pouvoir tout pivoter. D'accord? Donc, vous voyez, on s'attaque d'abord à ce qui est en ligne, hein, via leur www. Sûrement, là, il y a, grâce au serveur THM i2S, il fait tourner trois machines, trois serveurs différents, sur trois ports différents. Et à partir de là, on va commencer à pouvoir pivoter via le contrôleur de domaine. Qui gère le DNS, on peut rebondir sur ces deux autres machines. On va essayer de trouver un compte éventuellement, pousser le vol, l'usurpation d'une de ces deux machines qui a peut-être quoi, le compte administrateur, cette fois-ci pas local, mais du contrôleur de domaine. D'accord? Donc on passe de compte à compte, c'est ce qu'on appelle le pivotement latéral, avec des comptes basiques, jusqu'à trouver sur une des deux autres machines un compte local administrateur, on devient administrateur, mais le compte administrateur local n'a pas les mêmes droits, il en a beaucoup moins que l'administrateur du contrôleur de domaine. Mais à partir du compte local admin, on peut peut-être attaquer le compte du contrôleur de domaine administrateur. Ok? Ça, faut bien le comprendre. C'est tout le temps cette technique, ces tactiques techniques et procédures. Donc tout ça peut être confirmé par deux choses, un ping et un lookup. NS lookup, ok? Name server, name system, je veux quoi? PXE, boot, j'ai fait ma reco et on est toujours sur le même sous-domaine, même domaine, TLD. Là, il nous explique bien. Hein? Le serveur DNS, il nous dit, écoute, je te donne une réponse non autoritative. Alors, je vous ferai des cours complets sur le DNS parce que si tu comprends pas l'architecture, les A, les quadruple A, les canonical, les MX, les NS, les name server, name system, ça va être un bordel. Ok? Là, il nous dit, écoute, coco, je suis allé requêter. Toi, t'as pas l'adresse, mais il y a bien le contrôleur de domaine qui est au 10 200 32 201 qui m'a donné la réponse et en effet il y a une machine qui s'appelle PXE ZA TryAcme. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis pas sur le diagramme, ok? Toto le hacker il est en dehors.
Lui, de l'extérieur, il requête sur le THMDC 10 232 101. C'est exactement l'adresse qu'on voit là. D'accord? C'est l'adresse que j'ai là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le serveur DC fait. C'est le serveur d'autorité DNS. D'accord? Lui, il va regarder. Il héberge le serveur DNS. Il dit, OK, en local, Toto le hacker, apparemment, il ne connaît pas où se trouve cette machine. Lui, il regarde dans son cache et il fait, ah ouais. Il y a bien une machine là. Donc, faut passer par le 10.232.101. Et ensuite, à partir de celle-ci, tu peux taper sur pxthetryacme.com. D'accord? Il renvoie l'information à Toto le hacker. Et Toto le hacker, sur son terminal, on lui dit, ouais, regarde. C'est bien. Le contrôleur de domaine, cette adresse-là, te permet de joindre le sous-réseau qui est à cette adresse-là. D'accord? Donc on voit que c'est le contrôleur de domaine. Là, on est en train de taper sur le contrôleur de domaine et il me permet de joindre le DNS que je lui donne. En tout cas, le sous-domaine, le domaine, le TLD, le route. D'accord? Ça, faut bien le comprendre. Hein, vous voyez bien que c'est qui répond là? Ah, je vous ai dit des bêtises. Lui fait bien le serveur DNS, mais l'adresse IP c'est celle-ci, hein, puisque je vous ai dit que c'est elle qui gère ce sous-domaine. Excusez-moi. On voit bien la 10.232.201. D'accord? On la voit là. Il me dit, écoute, c'est cette machine qui la gère. Tu peux en effet joindre cette adresse. Et quand je la ping, eh ben, c'est bien l'adresse de la machine qu'on vient de voir. D'accord? Qui gère? C'est le serveur I2S qui gère trois autres serveurs web. D'accord? Les serveurs I2S. C'est des serveurs Microsoft web. Donc là, on est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut commencer à. Alors, on peut commencer, voilà, à aller sur PXBootza et on se retrouve avec nos différents fichiers BCD. Hein, vous vous rappelez, je vous ai dit quoi? Nous, on va s'intéresser à du X64, d'accord? Qui nous intéresse. On voit qu'on a différents fichiers avec différentes tailles sur le serveur. Là, je suis dans mon navigateur, mais vous l'avez compris, je suis connecté à quoi? Ben, je suis connecté via le DHCP au PXE, hein, au serveur qu'on a vu tout à l'heure. Tout simplement le serveur MDT qui nous a connecté, d'accord? Donc, on a accès aux images, c'est cool. On a les fameux fichiers BCD. Donc, on lance l'attaque sur le serveur DHCP. On saute cette étape pour aller plus vite et on énumère, on récupère l'image de démarrage PXE. D'accord? Je sais que c'est password 1 arrobase. D'accord? Qu'est-ce qu'on a récupéré avant? Donc, si on a notre attaque, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ben, on peut tout à fait se connecter. D'accord? J'ai récupéré la machine, je sais comment elle s'appelle et j'ai son mot de passe. Ben, on n'a plus qu'à se connecter en SSH. Ok, donc lui c'est password1@. Ok, on est connecté à la machine. Donc je suis bien en THM, d'accord. Vous voyez qu'on commence à avoir des petits droits sympathiques. Des droits que je pourrais utiliser d'ailleurs pour pirater la machine. Mais on va vous montrer autre chose, d'accord? Mais il y a des petits trucs assez intéressants dans cette liste, notamment l'impersonate privilege, l'undock privilege, on a le change notify privilege, on a le debug privilege, on a le create page file privilege, on a beaucoup de privilèges qu'on pourrait se servir et le SE load driver privilege. On pourrait charger un driver malicieux contenant notre virus, notre charge utile, qui pourrait pirater la machine. Mais on va pas faire ça aujourd'hui. Je vous laisse aller voir ma playlist Windows pour les nuls. Je vous montre comment abuser de tous ces privilèges et faire des exploits. Donc là, on est bien. Hein, on commence à être sur la machine. On voit qu'on a pléthore de privilèges. On est connecté en SSH. Le premier truc qu'on va faire, on va se créer un dossier avec notre nom d'utilisateur et on va venir copier. Certains utilitaires de PXE. Alors, si je regarde, je vais vous expliquer un peu. À partir de là, je vais aller à la racine. Dire, on a Vagrant, on a quoi? Ah, on a Power PXE. Intéressant. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un
Mkdir, make directory. Je vais lui dire ces deux points. User. PHM. Et on va créer dans document. Plutôt. Ok. Je vais faire un copy. Je veux copier quoi? Tout ce qu'il y a dans PowerPXE. Il me dit que c'est une directory, c'est donc bien un dossier. Parfait. Je lui dis, écoute, à cet endroit-là, PowerPXE, tu prends tout et tu me le copies vers c2.user. Toto. Toto le hacker est dans la place. Ok, il m'a dit, écoute, j'ai copié trois fichiers. Donc maintenant, on va aller dans ce qu'on a vu. Dire, on va aller lancer notre script. Voilà. TFTP, FTP. Quelle est la différence? TFTP, ça veut dire trivial, file, transfert, protocole. TFTP est beaucoup plus simple que FTP. D'accord? Il n'est pas du tout plus sécurisé. Hein? Ne confondez pas avec quoi? Avec TFTP, avec SFTP. Hein? SFTP qui est secure. D'accord? Donc TFTP, il permet d'exécuter des transferts de fichiers entre les processus client-serveur, mais on n'a pas d'authentification utilisateur. On n'a même pas les autres fonctionnalités utiles en fait qui sont prises en charge par FTP. Donc il faut qu'on trouve un moyen de bidouiller, de se connecter au serveur trivial et de récupérer hein, ce qu'on a sur le serveur. D'accord? Il y a une autre technique que je pourrais utiliser. Je pourrais télécharger dans mon navigateur le fichier BCD, l'enregistrer sur mon Kali Linux, héberger un serveur et le pousser, vous l'avez compris, dans le répertoire, puisque je peux écrire dedans, c'est dans mon home dir. Mais là, on va avoir une autre tactique. Donc, comme on ne peut pas répertorier les fichiers, on va essayer d'envoyer une demande de fichier et le serveur va se connecter via l'UDP. Et en théorie, nous transférer le fichier. D'accord? Donc, il faut être extrêmement précis lors de la spec des fichiers, hein, les spécifications des fichiers, le chemin d'accès au fichier. Sinon, bah, ça ne va pas marcher. Vous l'avez bien compris. Donc, les fichiers BCD, ils se trouvent dans le répertoire TMP, hein, sur le serveur MDT. D'accord? Donc, ça, on peut s'en servir pour ensuite pousser à l'aide de notre session SSH. On a un client. TFTP. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous, on a dit qu'on veut le X64. Il est où? Il est où? Il est où? Il y en a plusieurs. UFI, là, c'est un UFI. Je pense qu'on va prendre celui-là. Alors, on va lui dire TFTP pour lancer la connexion. I, c'est l'adresse IP. Donc notre adresse IP, on a dit que lui, il est en quoi? C'est une très bonne question. Alors, je n'ai pas l'adresse IP, on aille la récupérer. On va faire un NS lookup, on a dit sur THM, mdt.za.tryhackme.com. C'est la 10-232-101. 10-232-202. Ok, c'est la 202. Donc, on va se faire un TFTP I 10-232-202. On a l'adresse IP. On fait un get pour récupérer la valeur. On a vu qu'on était dans TMP, je vous ai dit, et après on lui passe notre string que je viens de copier. On referme, j'ai ouvert avec les doubles quotes et on va l'enregistrer en tant que conf.bcd, peu importe en fait. Il a transféré, parfait. Et là, on a notre fichier conf.bcd. Donc maintenant, on va se servir du script hein, en PowerShell, PowerPXE pour lire le contenu
du fichier PCD. PowerPXE, c'est un script qui va automatiquement faire ce type d'attaque, hein, mais ça peut marcher, ne pas marcher, tout va dépendre. Donc on peut le faire de façon automatisée, mais on peut également avoir une approche manuelle. Donc il y a une fonction qui fait un get WIM file et qui va récupérer l'emplacement des images de démarrage PXE à partir du fichier BCD. Mais là, si on lance le PowerShell tel quel, on va être bloqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les droits en exécution. Donc on doit utiliser un bypass. Donc je vais faire PowerShell pour passer en PowerShell et on va modifier l'execution policies, la règle de sécurité, qui n'est pas vraiment une sécurité, hein, qui permet de faire un bypass. Un bypass, je lui demande de ne plus exécuter l'execution policy. À partir de là, je peux lancer le script powerpxe.ps. Là, on rentre dans PowerShell. Et maintenant, en toute théorie, je vais pouvoir lancer ça se lance pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas charger comme ça un fichier. Il faut d'abord à chaque fois importer le module, d'accord? Pour le charger en mémoire, pour qu'il soit ensuite atteignable. Ok. Parfait. Donc, on va se déclarer une variable avec le dollar. Ma variable, je vais l'appeler BCD file. Une variable est toujours égale à quoi? À une valeur. Sauf qu'on n'est pas en bash, il y a des espaces, autant pour moi, et on va charger notre fichier conf.bcd. D'accord? Donc là, je devrais avoir ma variable. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui dire? Maintenant qu'il est chargé en mémoire, le PowerPXE, on a des applets hein, qui sont liés à le PowerPXE. Je peux faire un WIMFile. La mouline. Ouais, il nous trouve plein de trucs. Et moi, c'est WIMFile. Voilà, il le trouve. Ça veut dire qu'il est bien chargé en mémoire. Je lui passe en paramètre BCD file. Pardon. Du camel case. Et on appelle notre variable. D'accord? Puisque qu'est-ce que j'ai stocké dans la variable BCD file? J'ai stocké l'endroit du fichier. D'accord? Donc, quand on déclare, on initialise une variable, c'est pour pouvoir ensuite l'utiliser. D'accord? Sauf que moi, je l'ai mis en majuscule. Ouais. Ok. Hein? Il dit, écoute, j'ai parsé les données qui étaient présentes au sein du fichier BCD. Tu m'as donné le fichier conf.bcd. Et grâce à l'applet getWIMFile, écoute, je lance l'opération. Et en effet, je trouve une correspondance dans boot. X64 image light touch vim. D'accord? Donc il nous génère un fichier WIM. D'accord? Donc ça c'est parfait parce que les fichiers WIM, c'est des images amorçables au format WIM, ça veut dire Windows Imaging Format. D'accord? Donc on a l'emplacement de l'image de démarrage PXE et on peut utiliser à nouveau le TFTP pour télécharger cette image. D'accord? Donc je vais reprendre ma commande et on se télécharge le deuxième truc. Donc, je reviens. Et là, j'ai juste à PXX boot. Ouais, pas mal. 202 get, s'il arrive à la trouver. Donc pour bien comprendre, on gère cette machine, je passe par le contrôleur de domaine et via le serveur TFTP, on va récupérer ce qu'il y a sur THM MDT, qui est le serveur MDT, vous l'avez compris. D'accord? Donc tout ça, on le fait à partir de cette machine, on va requêter et on peut télécharger des images qu'on va mettre sur cet ordinateur qu'on contrôle en SSH pour continuer notre cyberattaque. Donc il y a plus d'un giga 5 à récupérer. Donc ça va prendre 2-3 minutes. Je vous reprends tout de suite après. Ok, donc 2 minutes, 136 secondes plus tard, on récupère bien notre archive.
On commence à être bien. Donc maintenant, pourquoi on fait tout ça? Tout simplement, on a vu qu'on avait deux types d'attaques, on a vu qu'on utiliserait la deuxième, c'était voler des secrets d'identification personnelle d'un compte, machine ou utilisateur au sein de l'Active Directory. Pourquoi on s'emmerde avec le PXE? Pourquoi on fait ses connexions au serveur TFTP? Pourquoi on se connecte au serveur MDT? Pourquoi on télécharge ce fichier WIM? Parce que dans ce fichier WIM, on a quoi? On a des informations d'identification. D'accord? On va les récupérer et vous avez compris que ça va être du pain béni pour nous. Donc on a récupéré l'image de démarrage PXE. Maintenant, il faut exfiltrer ce que je vous disais, les informations d'identification qui sont stockées là-dedans. Donc, encore une fois, comme tout en informatique, comme tout en hacking, vous avez plusieurs façons de faire. Nous, en hacking, on a plusieurs attaques qu'on peut utiliser. D'accord? On pourrait injecter un compte utilisateur administrateur local, installer une porte dérobée, de sorte que bah, on ait un accès administrateur dès que l'image démarre. Vous imaginez en entreprise, si à chaque fois qu'on charge l'image dans un ordinateur, on puisse avoir une porte dérobée qui nous donne un compte root administrateur NT Authority local. C'est de la folie. On pourrait installer l'image pour avoir une machine jointe hein, au domaine. Je peux, Toto le hacker, se créer une machine dans le parc informatique via le contrôleur de domaine. Elle est reliée au contrôleur de domaine. À partir de là, je peux attaquer le contrôleur de domaine. Pourquoi? Parce que je fais partie du domaine de confiance, du trust system au sein de l'Active Directory. Je pourrais faire plein de choses, en fait, il y a plein de choses. Donc, encore une fois, je vous mettrai un article, allez le lire. Hein. Il vous développe toutes les techniques. Nous, on ne peut pas le faire là, parce que je vous dis, la vidéo ferait 8 heures. Et vous le savez, une vidéo de 8 heures sur YouTube, déjà, il y a peu de gens qui vont aller la voir. Et quand bien même, moi, je peux vous l'uploader, mais YouTube va mettre, quoi, quasiment une semaine à l'encoder. Donc, aucun intérêt. Hein. Donc, on verra, je mettrai en exergue tout ce qu'il y a dans l'article, ça sera pour une prochaine fois. Ok, je vous ai fait 1000 vidéos depuis février, mars, je vous referai encore 1000 vidéos l'année prochaine, encore 1000 vidéos l'année suivante, jusqu'à que je sois mort. D'accord? On ne peut pas tout voir d'un coup, c'est comme ça. Donc cet article, enfin cette attaque se concentrera sur quelque chose d'assez simple, comme je vous le disais, on va au plus simple, au plus vite. Et on a cette philosophie en hacking et même en développement informatique, hein, c'est less is better, d'accord? Moins c'est mieux, d'accord? Less is more et less is better, d'accord? C'est-à-dire que cherchez tout le temps la technique la plus efficace, la moins chronophage. Si vous avez 10 façons d'attaquer un système, vous allez prendre la technique qui marche le mieux, la technique qui créera pas de problème, qui risque pas de planter la machine, qui sera la plus furtive et qui ira le plus vite. Mais ça, c'est à vous après de juger en fonction de vos connaissances. D'accord? Alors, on va utiliser encore une fois PowerPXE, on va récupérer les informations d'identification, puisque ça va être notre sésame, et on va effectuer également cette étape manuellement en extrayant de l'image ce fameux fichier PXE WIM, bootWIM, pardon. Et on va récupérer un fichier qui est extrêmement sensible, qui s'appelle le Bootstrap. Alors le Bootstrap, vous avez un protocole qui tourne sur le port 67 de mémoire, port 67, allez vérifier, et on a le Bootstrap INI, d'accord? Dans Bootstrap INI, ce n'est pas le protocole, mais on a des informations d'identification qui sont stockées. Donc on va utiliser PowerPXE, on va récupérer tout ça du fichier d'amorçage, et peut-être on aura notre secret. Donc encore une fois, hein, je vous mettrai des ressources, mais pourquoi le bootstrap.ini? Puisqu'on se sert du bootstrap ini pour tirer le meilleur parti de l'automatisation en fait. On a des paramètres, on peut les personnaliser et on a des paramètres par défaut. D'accord? Donc ça, encore une fois, ce bootstrap ini, ça sera vraiment du pain béni puisque vous l'avez compris, on aura pléthore d'informations et vu qu'on veut déployer. Parfois, eh ben, vous pourrez retrouver des secrets, hein, puisqu'il faut bien se connecter au sein de l'Active Directory par le contrôleur de domaine et on n'arrive pas les mains dans les poches. Il y a une authentification et le contrôleur de domaine vérifie que l'utilisateur, la machine, le service
Ah bien quoi? Bah une authentification valide. Et l'authentification au sein de l'Active Directory, comment on peut le faire? Avec un nom d'utilisateur, avec un mot de passe. Comment vous vous connectez à votre Windows? Avec un nom d'utilisateur, avec un mot de passe. Bah c'est pareil. Donc je vous mettrai des ressources en plus hein, du CTF. Allez creuser ce petit bootstrap.ini, ça va être du pain béni. Donc on a chargé toujours notre module. Il y a un truc qui s'appelle get find credential. WIM. File. Intéressant. PXE. Bootwim. Et si tout se passe bien, il va nous récupérer les informations d'identification d'AD. Et c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? On a le deploy route. Hein, ça, c'est au niveau bah justement du déploiement, au niveau du parc machine. Mais nous, on a quoi? On a un compte utilisateur SVC MDT qui va me permettre de me connecter maintenant au serveur MDT. Le ZA, bah, on l'a vu. Hein, on tape tout le temps sur le même sous-domaine qui s'appelle ZA. C'est le domaine utilisateur. Et on a le password qui est là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on ferait? On effacerait notre trace, d'accord? On voit que on a un copain qui vient d'arriver, on bosse sur la même machine, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire un del hein, sur Toto. Et vous voyez que bah, on nous bloque, ok? C'est justement pour qu'il n'y ait pas d'autres gars qui font le CTF, qui vous niquent la gueule en effaçant votre répertoire. Mais vous savez très bien que dans une réelle opération, vous allez effacer vos traces. OK? Puisque sinon, vous laissez des indicateurs de compromission, vous laissez des artefacts sur le système de fichiers, et c'est la dernière chose que veut faire un hacker. Il veut rester furtif le plus longtemps possible. Maintenant que on est en train de poutrer toutes les machines, hein, celles qui sont en rouge, on a tout simplement récupérer le couple utilisateur mot de passe, donc elles sont sous notre contrôle. D'accord? Il n'y en a plus que deux. Je rappellerai que c'est celle du haut, le Saint Graal. D'accord? Donc on va continuer notre attaque, mais vous voyez que maintenant on en a ôté hein, du jeu, on a retiré, on a discard, comme on dit, 1, 2, 3, 4, 5 machines. D'accord? Il nous en reste plus que deux. On continue la cyberattaque pour terminer de pouner, de poutrer l'ensemble, ok, du réseau d'entreprise. Alors, la dernière ligne droite, on a exploré le réseau, on a récupéré les fichiers de configuration, on a eu beaucoup de chance, hein? On a pu pénétrer au sein du système, faire notre test d'intrusion, accéder à un hôte sur le réseau de l'organisation, pivoter de machine en machine, récupérer toutes les informations d'identification d'edit machine de l'Active Directory. D'accord? Récupérer les fichiers de configuration, ça permet de faire de l'énumération. On a des fichiers de configuration de l'application web, on a le serveur I2S, donc le fichier de configuration de service, on a des clés de registre, on a également des applications qui sont déployées de manière centralisée. Donc on a plusieurs scripts d'énumération, il y a Seatbelt, donc la ceinture de sécurité, hein, que je vous conseille, que je vous avais déjà présenté, qui peuvent être utilisées pour ce processus. Alors, on va se concentrer, nous, sur la récupération des informations d'identification à partir de l'application déployée de manière centralisée. Habituellement, ces applications ont besoin d'une méthode pour s'authentifier auprès du domaine pendant les phases d'installation et d'exécution. On a dans l'entreprise visiblement un antivirus McAfee Enterprise Endpoint Security, MEES. D'accord? Il est utilisé comme outil de détection et de réponse des points de terminaison. Donc quand on parle de points de terminaison, c'est l'ensemble des machines de la forêt. Ça peut être des postes clients, ça peut être également des serveurs. Hein? Mais quand on parle de points de terminaison, généralement ce sont les postes clients. Ou si la politique de l'entreprise fait du BYOD, bring your own device. Ça peut être des smartphones, ça peut être des tablettes. D'accord? C'est pas uniquement des ordinateurs. Donc, McAfee incorpore des informations d'identification utilisées lors de l'installation pour se reconnecter à ce qu'on appelle l'orchestrateur. L'orchestrateur, c'est une sorte d'oracle
pas Oracle dans le sens base de données ou dans le CPU, mais c'est lui qui va gérer, hein, qui va donner des ordres, et on a une petite base de données qui s'appelle ma.db. C'est un fichier de base de données qui peut être récupéré et lu, d'accord, si on a un accès local à l'hôte, et on va récupérer le compte de service associé. Si je peux m'authentifier comme l'antivirus, vous avez bien compris que ça commence à être popped up, comme on dit. Donc, nouvel accès SSH, on récupère et on extrait de MADB le mot de passe et on peut rebondir sur une nouvelle machine pour accéder à un autre compte. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut se balader. Vous savez que tout est dans Programmable ou ailleurs. On a Perflog, on a PXE, Dir, on a quoi? Est-ce qu'il y a un McAfee là-dedans? Oracle, 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 Oracle. Donc il doit être dans le x86. Non, il n'est pas non plus. Il est où mon McAfee? Il est où mon McAfee? Il n'est pas là. Donc vous le savez, on a trois endroits. On a les binaires en 32 bits, les binaires en 64 bits, et on a quoi? On a programme data aussi. Hein. Vous pouvez aller, c'est dans quoi? C'est dans users. Vous avez programme data. Je vais aller dans THM. On voit tous les comptes des salariés. Moi, je peux accéder à THM pour l'instant. Et on doit avoir un programme data qui se balade. Vous voyez que c'est assez intéressant de connaître par cœur quoi, les endroits où chercher. Puisque là, vous voyez que visiblement, on a les droits de rentrée, mais on n'a pas les droits de le lister. Il est totalement invisible pour moi. Donc, il faut connaître parfaitement le système de fichiers. Et là, on trouve enfin quoi, notre McAfee. On est dans la place. Dir, agent, l'orchestrateur, DB. Et on a MADB. On a la base de données. OK? Donc maintenant, il faut qu'on extrait tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis en SSH, d'accord? Donc, je peux utiliser SCP qui va me permettre tout simplement bah, de me connecter à ma machine, d'accord? Donc là, je ne vais pas me connecter en frontal à la mienne, on va faire l'inverse. Je vais me connecter à partir de mon ordi vers leur machine. Alors, SCP, qu'est-ce que je veux? THM, ça c'est le compte. On va se connecter à la machine THM JMP1ZA.com. Tout de suite, on lui met le pass, hein, donc c'est le chemin absolu. Et on a vu qu'on était sur quoi. Ok, donc là je suis bien. Je voulais dire, écoute, copie dans le répertoire courant. J'ai oublié, pardon. Point. Alors, le mot de passe, bah, c'est celui qu'on a utilisé au début. Alors, il n'est pas content. Pourquoi? Ah oui, putain, je suis sous Linux. Donc, vous voyez, ça, c'est sous Windows. Ça, c'est sous Linux. Hein, pourquoi faire la même chose quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire simple? Donc, rappelez-vous sous Linux. Voilà, là, il comprend un peu mieux. Donc, on sait exfil le fichier. On a 4 ma.db. Et je peux faire un file sur ma.db pour faire de la reco. Il me dit quoi? SQLite 3.0, base de données? Bah, pas de problème. SQLite, on a quoi? SQLite 3, ouais, pas mal. Il nous faudrait le browser. On va l'installer si c'est pas ça. Bon, je vais essayer de l'ouvrir. Ok. Donc, j'oublie tout le temps les commandes. C'est quoi? Database. Donc, c'est beaucoup plus simple via l'interface graphique. Hein. Puisqu'autant c'est facile de se connecter quand vous connaissez les tables. Sinon, il faut qu'on fasse de la reconnaissance en ligne de commande. Bon, on peut le faire, hein, mais ça va être plus long. Ok, SQLite, il le prend, browser. Et comme son nom l'indique, on va pouvoir utiliser une petite GUI, de temps en temps ça fait du bien, ça détend, et vous voyez que tout de suite il vous lisse les tables, vous n'avez pas besoin d'aller requêter comme un chien, même si bah, il faut savoir le faire. Hein. Je vais aller là-dedans, je vais lui faire. Donc on va aller dans Repository, dégager tout ça. FQDN.
Déjà, on a récupéré les DNS, ça va être intéressant pour nous. Ok, autre password. On récupère tout ce qu'il faut. Scavavé et on a notre mot de passe. D'accord. Donc, on a le string et on voit qu'il y a de fortes chances que ça soit quoi? Sudo nano crypto contacté. Sudo namedat hash file sur crypto. Donc, il nous provoque un hash, donc c'est même pas du bas 64. Je pense pas. On va tenter quand même. Je vais faire un 4 crypto. On va essayer un decode, mais je pense pas que ça va marcher. Non, c'est mort. Donc, la solution, c'est qu'on a un script. La clé a fuité. McAfee utilise une clé qui est connue pour chiffrer en base de données les mots de passe. D'accord? Donc, bah, tant mieux. Hein, on va pouvoir casser le hash, hein, puisque il y a visiblement soit un encodage, soit du hachage. Et si on a un outil, on peut se servir de Python. On va utiliser une petite bibliothèque de crypto et en théorie, il sera à même de faire le taf. You pick up your palette knife and then work that into your meat. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. That's it. That lovely?